Allez, je le fais. S'il vous plaît. C'est parti. Merci. Comme ça, je vous la remettrai après. Merci. Ok. Il faut le dire, oui. Voilà. Ouais, bien vu. Ouais, non, je ne lis pas toujours les messages. Je suis désolé. J'ai pas le... N'hésitez pas à m'interpeller, hein. Donc là, j'enregistre. Donc voilà, l'explorateur de couches, il est là. Ce que je vais faire déjà, première étape, je vais attacher tous les éléments que je n'ai pas besoin d'animer. Vous avez compris que typiquement, par exemple, cet objet-là, c'est intéressant dans le motion design d'animer cet objet pour qu'il vienne apparaître sur le toit, le toit du bâtiment. Pareil pour celui-ci, peut-être. D'accord? Par contre, la corniche, je n'ai pas forcément la nécessité de l'attacher, donc je vais peut-être de l'animer. Donc, je vais peut-être l'attacher à mon objet immeuble ici. Pardon. Voilà, mon objet immeuble qui est là. Je vais venir ici, grâce au panneau de commande, modifier. Donc, rappelez-vous, j'étais en éditer poly ici. J'ai l'option attacher et je peux pouvoir venir attacher mes corniches ici. Donc là, il vous demande, c'est normal parce que j'ai affecté un matériau, est-ce que vous voulez faire correspondre les identifiants de matériaux à matériaux? Je vais dire oui, il va garder les matériaux qu'ils ont d'origine, il n'a pas besoin de migrer. Donc, on laisse l'option par défaut, on fait OK. Et je vais venir attacher comme ceci toutes mes corniches. Vous pouvez le faire en même temps. Voilà, je vais venir attacher les corniches ici. OK. Et pareil pour cette partie-là. Ensuite, est-ce que j'ai besoin d'animer mes encadrements? Non. On va se focaliser sur d'autres objets. Donc, je vais venir attacher mes encadrements ici. Donc, vous avez compris qu'à chaque fois que j'attache, un de deux objets, j'en fais qu'un seul, hein. D'accord? Je vais venir attacher. Monsieur, il y Oui. a des personnes en salle d'attente. OK, je regarde ça. Ah voilà, David il est là. OK, Tatiana. Je vais revenir sur l'appel. Donc, Tatiana, elle est là. Bonjour. Bonjour. Et Devi, ben je l'avais compté. OK. Donc, ici, je vais attacher mes encadrements, d'accord? OK. Donc, je peux valider avec une entrée clavier, ça va plus vite, hein? OK. Je vais attacher tous mes encadrements. On a les encadrements ici. OK. Donc oui, ça ne change pas la couleur, hein. Il va garder l'identifiant matériau. C'est comme si j'avais un objet qui avait un multi-matériau dessus, enfin plein de matériaux différents. OK. Et pareil, est-ce que les fenêtres, j'ai besoin d'animer? Alors, je ne vais pas les attacher pour montrer qu'on n'est pas obligé de les attacher non plus. Pourquoi? Parce que ça pourrait être intéressant aussi de faire ouvrir ou fermer des fenêtres pendant l'animation. Donc, ce qui voudrait dire qu'il ne faut pas les attacher. D'accord? Donc, voilà pour cette partie-là. Je reviens dans mon explorateur de couches ici. Donc, si je sélectionne le bâtiment qui est ici, voilà, il va s'afficher dans ma liste. Il s'appelle bien immeuble. Je vais le renommer, je vais le mettre en majuscule, comme ça, il va bien nous sauter aux yeux. Immeuble. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a toutes nos fenêtres. D'accord? Alors, peut-être que c'est intéressant que j'attache toutes les fenêtres ensemble. Je vais prendre toutes mes fenêtres ici. Oui, ce sont des groupes de fenêtres, hein. J'ai attaché ça par groupe de fenêtres. OK? Donc, si j'isole, je vous montre. Ce sont toutes les fenêtres de l'immeuble. Donc, je peux faire un groupe fenêtres. Tiens, en cliquant, vous voyez, j'ai mes objets qui sont sélectionnés. Je clique sur le petit plus ici, créer une nouvelle couche. Et ça crée une couche qui va intégrer toutes les fenêtres que je peux afficher ou masquer. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, pour renommer une couche, vous double-cliquez dessus. Enfin, vous cliquez une fois dessus, pardon. Ça édite et vous renommez la couche. Sinon, vous faites un clic droit et vous prenez l'option renommée. D'accord? Donc ici, j'ai ma couche fenêtre. Donc par défaut ici, j'ai l'immeuble que je vais mettre à part aussi dans sa couche à lui.
D'accord. L'escalier de secours, logiquement, si je quitte l'isolation, oui, escalier de secours, il est là en fait. Donc, est-ce que dans l'escalier de secours, si je l'isole, oui, j'ai d'autres objets qui ne sont pas dans les bonnes couches en fait. Hein. J'ai tous mes climatiseurs, donc je vais les enlever. Ça, c'est juste, je rends le projet clean pour pouvoir le travailler correctement en pré-animation. Ça, c'est important. Donc ici, vous voyez, ça, je vais faire une couche exprès pour ça, pour l'instant. Ce sera une couche d'hiver pour l'instant. Et je reviens, donc cette couche, je vais la masquer. Je reviens sur mon escalier et là, je me dis, bon, est-ce que je vais animer des éléments dans l'escalier? Non, je vais peut-être animer tout l'escalier en même temps. Donc, ce n'est pas la peine que je me colle 20 millions d'objets. Donc, pareil, je vais dans mon panneau de commande et je vais venir attacher, pour ne faire qu'un seul et même objet, je vais venir attacher les différents éléments ici. Et je renomme escalier. Secours. Voilà. OK. Là, on est bon. Je quitte l'isolation. Donc, escalier secours, c'est fait. Je peux le masquer. Qu'est-ce qui nous reste? On avait tous les objets. Afficher tout. Tous les objets divers, en fait. Donc, la partie sur le toit, j'ai dit que lui, j'allais l'animer. Donc, il s'appelle Texte Plus pour l'instant. Il fait partie avec le châssis ici. Je vais animer les deux en même temps. Donc, ça, c'est important. Donc, je vais créer une couche, rien que pour eux. Je vais l'appeler, je ne sais pas, hôtel. OK. Ça, c'est le texte plus. C'est pour éditer le texte. Hein. Donc, là, on est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ça, c'est la sortie toit. Donc, elle est là. C'est un outlet, elle s'appelle. Alors, je ne sais pas ce que c'est celui-là. Je regarde juste à quoi correspond cette partie-là. Je n'arrive pas à voir ce qui m'a sélectionné, F3. Tiens, c'est bizarre, afficher tout. F4, F3. J'ai quelque chose qui n'est relié à rien, là. Le outlet tout court. Bon, je vais le supprimer. Clic droit, supprimer. OK, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur. Ici, j'ai ma sortie qui est là. Donc, je vais l'appeler sortie. Toi. Je vais lui faire une couche aussi, rien que pour elle. Éviter les caractères spéciaux dans les noms d'objets, ce que je vous disais, les accents, les trucs comme ça, parce qu'après, c'est compliqué. Donc, sortie toi, je peux la masquer. Ça, escalier de secours, c'est fait. Fenêtre, c'est fait. Hôtel, c'est fait. Immeuble, c'est fait. Qu'est-ce qui nous reste? La porte. Tiens, alors, la porte, oui, j'aurais dû la mettre avec les fenêtres. On va la mettre avec les fenêtres. Donc, elle est là, regardez. Je la glisse, je la dépose dans fenêtre, en fait, tout simplement. D'accord? Je vais l'animer avec la couche fenêtre. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Ça, ça fait partie, je pense, de mon escalier de secours. Oui, voilà, en fait, j'ai oublié d'attacher. Ici, vous voyez, j'ai oublié d'attacher le dernier maillon de l'échelle. Donc, je vais le prendre. Monsieur ? Oui. Mes cadres, ils ne s'attachent pas tous ensemble. T'es quoi, t'es ? Mes cadres, les cadres de fenêtres. Ils ne s'attachent pas tous ensemble, c'est-à-dire quand tu prends l'immeuble, il faut prendre l'immeuble et attacher les cadres. Tu pars de l'immeuble, tu prends l'option attacher, tu attaches les cadres. Les cadres, tu sais pourquoi? Parce que en fait, ce sont des objets instanciés. Donc, tu ne peux pas attacher une instance avec une autre instance si elle n'est pas unique, en fait. Donc, tu pars de l'immeuble qui est unique et tu l'attaches au cadre. Tu prends l'option attacher, tu attaches les cadres. D'accord? Merci. Je t'en prie. Donc ici, pareil, donc ce que je vais faire, escalier de secours, il est là. Donc je prends ça et je vais venir. Alors, comme je n'ai pas le matériau qui est affecté, parce que regardez, si j'attache avec le... Voilà, il va s'attacher. Mais du coup, il n'aura pas le même matériau. D'accord?
Alors, je vais le supprimer, comme ça, je ne suis pas embêté. Et je pourrais même faire une copie de lui avec un CTRL-SHIFT pour récupérer celui-ci qui a le matériau déjà dessus. Hein. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste histoire de. Donc là, on est bon. Escalier de secours, je cache. On a la rambarde. Alors, la rambarde, je ne vais pas l'animer à part. Je vais peut-être la mettre avec mon immeuble, tout simplement. Elle est là. Je vais la renommer déjà. Rambarde. Je la glisse dans l'immeuble. Donc, elle est là. Et puis, je le renommais pour rien, en fait. Parce que, ouais, alors, vous voyez, elle s'est masquée parce que ma couche est masquée. Si j'affiche ma couche, elle s'affiche. Donc, je l'ai renommée pour rien parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est prendre mon immeuble ici, modifier, et je vais venir attacher ma rambarde, tout simplement. Comme ça, elle fera partie de cet objet-là. Et on n'est plus embêté. OK. Donc là, pour résumer, qu'est-ce qui me reste? Si je masque tout, il me reste cette partie-là. Donc, il me reste le socle avec le trottoir ici. Donc, je vais faire une couche, je vais l'appeler socle. Ça, c'est quoi? C'est le bord du trottoir, d'accord? Et ça, ben, c'est le trottoir, tout simplement. OK. Donc là, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mon projet. Là, c'est bon. C'est ce que je vous demanderai de faire, hein, parce que vous serez évalué là-dessus. C'est important quand on transmet un projet de nommer correctement les objets pour pouvoir prendre le relais si jamais vous bossez en équipe dessus. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai tout simplement mes splits de climatiseur. Et je vais renommer cette couche clim. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, j'ai envie que les climatiseurs s'animent indépendamment, d'accord, et apparaissent les uns après les autres, d'accord. Donc, du coup, vous verrez plus tard en aval, quand on va travailler sur cette partie-là, je vais supprimer, je vais garder qu'un seul climatiseur, je vais animer ce climatiseur en apparition et je le dupliquerai en décalant les clés pour lui donner l'impression qu'il apparaisse au fur et à mesure à des endroits différents, d'accord. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. Je ferme ici. Et je vais me concentrer, je vais afficher que la couche immeuble. Donc, sur ma couche défaut, logiquement, je n'ai plus rien. Alors, ici, vous avez, lorsque je travaille, regardez, si par exemple, j'active ma couche clim et que je sélectionne ma couche immeuble, si je veux créer un objet ici, il va me dire, attention, la couche sur laquelle tu travailles n'est pas active. D'accord? Alors, afficher la couche ou continuer. Donc, bien évidemment, vous pouvez travailler que sur les couches qui sont activées. D'accord? En création d'objets, je parle. Hein. D'accord? Donc ici, n'oubliez pas, si jamais vous avez des objets à rajouter, vous activez la couche sur laquelle vous travaillez. Et là, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Alors, est-ce que jusqu'à présent, ça va? Ça va. Oui. Alors. Juste une question. Oui, Antonin. Vous m'avez mis où la sortie sur le toit? J'arrive pas à retrouver la couche où vous l'avez mis. Alors, je l'ai mis dans. Ah tiens, bonne question. Dans quoi je l'ai mis? Parce que j'étais en train de compter justement et je voyais que j'en avais 7 et vous 6, du coup je le cherchais. Ah, sortis-toi. J'aurais dû lui faire une couche à part. Je l'ai mis dans fenêtre, je me suis trompé. Tu vois, la couche a été créée là en fait. Ok. Je la sors et je la mets à côté pour qu'elle ait sa couche à part entière. Okay. En fait, j'avais créé une couche dans une couche en fait, c'est pour ça. Tu as bien pu me le faire remarquer. Merci. Et monsieur, oui. Le châssis tout en haut avec l'hôtel, vous l'avez mis avec les escaliers? Je l'ai mis, non. J'ai fait un truc qui s'appelle hôtel ici. Hôtel. OK. D'accord? Vous avez rendu. OK, ça va. En fait, j'ai séparé, j'ai mis sur des couches chaque élément que je vais animer. Donc, si je récapitule, si j'affiche toutes mes couches, donc je fais ici, clic droit, afficher tout. Oui. Donc, il affiche toutes mes couches. Je vais animer mes climatiseurs. D'accord, qui sont là. Alors, je vais enlever cet affichage. Je passe en mode standard pour éviter d'avoir une mise à jour d'éclairage, en fait. Donc ici, mes climatiseurs, je vais les animer. Mon escalier de secours, je vais l'animer. Mes fenêtres, je ne vais pas les animer pour l'instant
Je ne les animerai pas, elles seront avec mon bâtiment. D'accord? L'hôtel sur le toit, je vais l'animer. Et l'immeuble, bon, c'est lui que je vais animer en premier. Le socle, on fera ça à la fin. Et la sortie toit, je ferai une animation au Searing Point. Donc, j'ai séparé sur mes couches les différents éléments que je vais animer. Par contre, ah oui, je demande 2 secondes. Je vais brancher mon... J'ai oublié de brancher mon portable. Du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas en puissance maximum. J'espère que ça ne va pas couper. Vous recevez toujours? Oui, c'est toujours, bon. Toujours. Tout va bien. Bien. Oui. Yvan, rassurez-vous. J'ai branché à temps, ça va. Comme c'est très gourmand en énergie, ces trucs-là, ça peut s'arrêter très vite. Alors, les fenêtres, j'avais dit, au cas où on a besoin de les animer, on les met sur une couche différente. Mais moi, ce que je vais faire, les fenêtres, je vais l'animer quand même. Donc, mes fenêtres sont là. Je vais la mettre avec l'immeuble, d'accord? Je vais glisser ma couche dans celle de l'immeuble. Donc, à chaque fois que je vais double-cliquer là-dessus, je sélectionnerai tout le sous-ensemble, fenêtre-immeuble, d'accord? Donc, je sélectionne mon immeuble, j'isole cet immeuble-là et je vais concentrer mon animation là-dessus. D'accord? Alors, avant d'attaquer directement sur cette partie-là, donc je vais sauvegarder ma scène, je vais vous montrer le principe de l'animation. Donc, ne le faites pas, je ne fais que vous montrer et après, on travaillera sur le projet. Ça marche. Donc ici, je vais créer une boîte. OK. Chose importante, on va commencer à travailler sur l'animation. Ça veut dire qu'il y a des standards d'animation. En Europe, en général, il y a un format, il y a un standard qui est le PAL, qui est configuré en 25 images secondes. Et si on travaille pour des pays anglo-saxons, on est plutôt sur du 30 images secondes. Donc ici, on va considérer qu'on est en Europe, donc on ne travaille pas pour un client étranger. Donc, on va aller sur la partie ici en bas à droite, tout en bas à droite, vous avez un magnétoscope, ce qu'on appelle. Vous allez faire un clic droit dessus et vérifier que vous avez bien la case pâle de cocher. Logiquement, si vous avez récupéré ma scène, c'est le cas. Clic droit sur le magnétoscope, on vérifie qu'on soit bien en pâle. Pâle, du coup, c'est du 25 images par seconde. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a marqué 30, mais le fait de cocher cette case, on passe en 25 images par seconde. Pour avoir un segment de 10 secondes d'animation, il nous faudra 250 images. D'accord? OK. Et là, je vais attaquer le principe d'animation. Alors, on parle d'outils de transformation. Alors, dans tous les logiciels, c'est comme ça. En général, dans les logiciels 2D, il n'y a que deux transformations. Il n'y a que deux axes, je veux dire, X et Y. Là, on est dans un logiciel de 3D, donc il y a trois axes, X, Y, Z. Les Z dans Max, je crois que c'est le seul logiciel qui a les Z à la verticale. En général, les autres, le Z, c'est la profondeur. Et les outils de transformation sont respectivement le déplacement, la rotation et l'échelle. D'accord? On peut déplacer, animer en déplacement, tourner, animer en rotation et échelle, animer en scale ou en déformation d'échelle, on peut animer des objets. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer une clé sur ces transformations, vous aurez une clé soit spécifique à une transformation, que ce soit peut-être déplacement X, Y ou Z ou les trois, rotation X, Y ou Z ou les trois, etc. Ou alors, on peut appliquer des clés sur toutes les transformations. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Il y a des clés qui seront nécessaires et d'autres pas forcément. Vous avez plusieurs solutions. Alors, je vous montre ici, si par exemple, je devais déplacer en animation mon cube. Donc, mon pavé, ici en bas, j'ai une timeline, comme dans tous les logiciels d'animation, After Effects, etc. Même Photoshop a une timeline, si vous pouvez faire de l'animation avec. Donc regardez, ici, je déplace ma tête de lecture, je me mets sur l'image 50, par exemple, et je vais dire au logiciel, je clique sur clé automatique. Clé automatique. Regardez, la timeline passe en rouge, ça veut dire qu'il est en mode enregistrement. Et là, je vais déplacer sur un axe, par exemple, mon pavé. Regardez, le logiciel a créé une clé. Monsieur, de... Oui. Je ne sais pas si ce que vous utilisez se trouve en dessous de la timeline, mais pour ma part, je ne vois pas les différents pictos.
Tu vois pas le magnétoscope ici, là, là? Tu le vois sur l'écran partagé? Moi, non. Après, est-ce que c'est peut-être un réglage de ma part? Je ne sais pas. Non, mais est-ce que tu vois ce que je te montre? Tu ne le vois pas? Là, non. Alors, et là, est-ce que tu le vois? Là, oui. Bon, en fait, je pense que ton écran, il doit bouffer, il doit cropper la partie inférieure, je suppose. Est-ce que tout le monde a ce problème-là? Non, non, nous, on le voyait normalement. Là, on le voit mais aussi. C'est peut-être en bougeant la souris sur l'écran, il y a une barre noire qui s'affiche sur le logiciel Zoom. Et ça disparaît quand on ne bouge plus la souris, donc c'est peut-être ça le problème. Ah, d'accord. Donc là, tu ne le vois pas. Là, il y a une barre noire qui apparaît quand je fais ça. Ah, mais je suis sur cette personne, en fait. Enfin, quand je bouge ma souris sur mon écran, et ben, du coup, il y a la barre de Zoom qui s'affiche avec activation du son, vidéo, tout ça. Et c'est vrai que quand mais je bouge la souris, je ne vois pas ce que vous montrez. Mais cette barre, tu peux la décaler. Tu la mets en haut, par exemple. Tu cliques dessus, tu la décales. Oui, je sais, mais c'était juste pour prévenir du coup les personnes qui ne voyaient pas ce que vous faisiez. Ok, ça marche. Bon, c'est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas compris ce que Elisa a dit. Jessica, quand tu descends, tu as une barre noire qui vient cacher la partie basse, c'est ça? Bah, j'ai mes pictos genre participants, discussion, écran partagé, machin. Tu les déplaces, tu les glisses ailleurs pour pas qu'ils te gênent. Ah, ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ça marche. Bon, on va y arriver. Donc ici, je reviens à nos moutons. Donc ici, le logiciel a créé ce qu'on appelle une interpolation. Moi, j'ai juste mis l'endroit où je voulais la clé finale. J'ai déplacé mon objet et vous voyez qu'ici, il a créé une clé de départ, il a créé une clé d'arrivée. Et entre les deux, il a interpolé le mouvement. D'accord ? Si je clique sur lecture, il m'a proposé le déplacement de l'objet du point A vers le point B. D'accord ? Sauf que il m'a créé une clé en déplacement Y parce que j'ai déplacé l'objet que sur une clé, que sur l'axe Y. Donc ici, il m'a créé une clé. Si je fais un clic droit, il m'a créé une clé en position. Alors, position X, Y, Z, mais en fait, il n'y a que Y qui est actif. X, Y, Z, elles seront à zéro parce que je n'ai pas fait de déplacement sur ces trucs-là. Mais il m'a créé une clé que sur le déplacement, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et à l'arrivée, il m'a créé une clé que sur le déplacement aussi. D'accord ? Ça, c'est une... Oui ? Est-ce que c'est possible, par exemple, quand on sélectionne une clé, d'avoir dans le menu toutes les modifications qui ont été faites sur cette clé, de voir quelque part? Alors, par exemple, si on a bougé des trucs et qu'on ne se souvient pas. J'allais venir. En fait, il faut sélectionner l'objet animé pour que tes clés apparaissent. D'accord ? Si tu ne sélectionnes pas l'objet, tes clés n'apparaissent pas. Ça, c'est les clés d'animation de l'objet sélectionné. Ensuite, si tu sélectionnes une clé ici, que tu fais un clic droit dessus, tu peux afficher, par exemple, en cliquant sur position Y, la deuxième clé. Vous voyez, si je suis sur la deuxième clé, si je prends la flèche, hop, je bascule sur la première clé, il me donne la valeur. Okay. La valeur qu'il a sur l'axe que j'ai sélectionné, en fait. Ça, c'est une deuxième solution. La troisième solution, on verra plus tard, c'est de cliquer sur l'éditeur de courbe. Donc là, j'ai un éditeur d'animation qui apparaît ici. D'accord ? Donc, je vais venir zoomer sur ma clé d'animation. Et là, je vois ma timeline, ma clé de départ qui est en Y. Vous voyez, Y. J'ai un déplacement avec... Alors, pourquoi c'est courbé ? Ça, c'est des accélérations, des ralentis. On verra un peu plus tard. Et j'arrive sur ma clé d'arrivée qui est ici, en position 50. Donc, on voit bien que c'est la position 50 qui est ici. Et j'ai un déplacement. D'accord ? On voit que je passe de 0 à moins 65 et des poussières. Ce qui est le cas. Mon objet, quand je suis là, en position Y, il est à moins 62,2 cm sur ma grille. D'accord ? Alors, cette clé, ce qui est bien, c'est que je peux la rapprocher, ce qui va me permettre d'accélérer le mouvement de mon objet. Je peux aussi l'éloigner, ce qui va permettre de ralentir l'accélération de mon objet. D'accord ? Je suis toujours en mode enregistrement. On est d'accord ? Qu'est-ce qui se passe si, en restant le mode enregistrement de clé automatique, je me mets entre mes deux clés ici et je déplace verticalement ou n'importe où mon objet ? Il va créer une troisième clé
Et du coup, il va interpoler d'une clé à l'autre, en fait. Vous voyez ? Si je me remets sur la même clé au même endroit et que je reste sur clé automatique, que je déplace mon objet, il va mettre à jour la valeur de cette clé. Regardez, il a bien mis à jour la valeur de cette clé. On voit que mon cube, il part de la valeur de départ initiale, il se déplace vers ma deuxième clé et il reprend sa position vers ma troisième clé. D'accord ? Si je ne me mets pas sur une clé et que je redéplace tout en ayant laissé l'enregistrement automatique, eh bien, il me crée une quatrième clé. En fait, l'objet va décrire une trajectoire comme ceci. Alors, je pense que je peux vous l'afficher, cette trajectoire. Voilà. Il me crée ce type de trajectoire d'une clé à l'autre parce qu'à chaque fois, j'ai créé une clé. OK ? Et ces clés, bien évidemment, je peux les sélectionner, les supprimer. Alors, je vais revenir sur plus basique. Ça, c'est un peu le principe de fonctionnement. Voilà, j'ai supprimé toutes mes clés. Hein, je les ai sélectionnées dans la timeline. Moi, ce qui m'intéresse, imaginez que ce soit l'immeuble. J'ai envie déjà que mon immeuble, il apparaisse, il n'y a rien, il est une échelle à zéro, et qu'il apparaisse d'un coup, en échelle, d'accord ? Mais j'ai envie que pendant que l'immeuble apparaisse, alors j'essaie de vous montrer ce que j'ai fait sur... je le retrouve, ça doit être celui-ci. Voilà. Vous voyez, j'ai l'immeuble qui apparaît avec une échelle. Vous voyez qu'il y a une échelle qui monte, en fait. Pendant que l'échelle augmente de 0 à 100%, on a l'objet qui se déplace dans les airs. D'accord ? On est d'accord ? Ce n'est pas que l'échelle. Hein. On voit que l'objet se déplace à la verticale. Il se stabilise, il s'arrête. Donc, on a un petit mouvement d'oscillation. Et après, il tombe sur le sol. Et vous voyez qu'en tombant sur le sol, il se déforme. Et dès qu'il touche le sol, il se compacte. Il y a un petit effet de ressort pour donner cet effet un peu cartoon. J'appelle ça un peu l'effet cartoon. C'est toujours une anticipation de l'animation. Et puis après, quelque chose qui se passe après la fin de l'animation, en fait. Donc, l'objet vient se poser, puis il continue à rebondir un petit peu pour donner cet effet d'inertie. Donc, on va faire ça. Le principe, on va le faire sur un objet simple avant de l'attaquer sur l'immeuble. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire en décomposant les mouvements. Donc, on va tous faire en même temps. Donc, réinitialiser, on va partir, vous enregistrez votre scène actuelle, vous réinitialisez votre scène. On va partir d'une boîte simple, comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. On va faire une boîte tout simplement ici, en appuyant sur CTRL avec une base carrée. Et on va l'élever un peu dans les airs comme ceci pour représenter à peu près l'immeuble. Et je vais venir en mode déplacé. Recentrer mon objet dans ma scène, rappelez-vous, en faisant un clic droit sur les trois axes ici, pour permettre de recentrer mon objet dans ma scène. Je vous laisse faire ça pour 10 secondes. C'est bon pour vous? Donc, on a créé une boîte, voilà. Donc, ici, le principe. Je vous ai dit qu'au départ, on veut faire une animation où l'objet s'élève dans le ciel, en fait, hein, avant l'apparition de l'objet. Je veux que verticalement, il s'élève tout en tournant. Vous rappelez, il monte et il tourne. Alors, regardez comment je vais faire. Je vais activer clé automatique. Clé automatique, donc ici, je pars de zéro. Je vais aller à l'image 50, par exemple, ce qui fait 2 secondes d'animation en pâle, et je déplace verticalement mon objet. Donc, je vous montre ici, je déplace verticalement mon objet. Donc, qu'a fait le logiciel, le fait que je sois en mode clé auto enregistrement, il a créé une interpolation de départ. Je pars de zéro, je monte, et je vais à l'image 50. D'accord ? Monsieur, vous pouvez me montrer, il est où l'icône clé automatique, s'il vous plaît ? Ici. Ok, merci. Alors, faites attention, parce que quand cette icône est enfoncée, tout ce que vous faites est enregistré. Enfin, si vous déplacez l'objet, je recrée des clés ou je modifie la clé. Hein. Faites attention. Hein.
Souvent, ça arrive. Si vous voulez déplacer un autre objet sans l'animer, vous décochez clé auto, puis vous pouvez le bouger. Ça n'enregistre pas ce que vous faites. Hein. Par contre, le fait d'orbiter ou de me déplacer dans la scène, ça ne change rien. Ça, c'est la vue utilisateur qui change. Hein. Donc voilà, j'ai mis ceci, déplacement vertical tout simplement. Ensuite, j'ai dit que ce qui serait bien, c'est que l'objet tourne sur lui-même pendant qu'il monte. Il arrête sa rotation dès qu'il atteint son point culminant. Donc, toujours en clé automatique, ce que je vais faire, je vais me placer sur la clé 50, parce que là, tout ce que je vais faire, il va forcément créer une clé de départ à 0. C'est la clé initiale, c'est la position, la rotation, l'échelle initiale qui aura au départ, et il va créer la clé modifiée à l'endroit où j'ai mon curseur de lecture. Ici, je vais faire clic droit, rotation, j'active l'accrochage d'angle ici, et je fais pivoter mon objet de 360 degrés, par exemple. Et regardez, il a bien enregistré la rotation de l'objet pendant qu'il monte. Il m'a bien créé ici, à la clé 0, regardez, des clés de rotation. Non seulement les clés de position, ce que j'ai fait en premier, mais créé aussi les clés de rotation. Alors, il y a des rotations qui ne servent pas. Typiquement, là, j'ai fait pivoter l'objet sur l'axe Z. Donc, typiquement, la rotation X et la rotation Y, il y a des clés quand même, mais elles ne servent à rien, elles ne sont pas animées, en fait. Si je vais sur l'éditeur de courbe, ne le faites pas, je vous montre. Mais logiquement, ici, voilà, si je prends ma rotation X, je n'ai rien. Ma rotation Y, je n'ai rien. Ma rotation Z, j'ai bien une animation en rotation. Oh, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'ajuster. Voilà. Oui, j'ai bien une animation en rotation. Il part de 0. De l'image 0 ici, d'accord, l'image 0 qui est ici, il part jusqu'à l'image 50 qui est là et il fait une rotation de 360 degrés. D'accord, c'est explicite pour vous? Oui. Je vais faire ça, alors attendez, c'est Windows Shift S. Je vais faire ça. Il m'a fait la capture ou pas? Bon, il ne veut pas faire la capture d'écran. Tiens, c'est marrant, il ne veut pas faire la capture d'écran. Bon, c'est pas grave, je voulais dessiner dessus, mais je n'arrive pas à faire de capture d'écran. Windows Shift S. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas me... C'est peut-être Zoom qui m'empêche de faire la capture d'écran. Bon, tant pis. Est-ce que je n'ai pas la possibilité d'avoir un tableau blanc ou écrire par-dessus? Je regarde 2 secondes, hein, je regarde des... Non, je ne peux pas le faire. Bon, mais tant pis. Donc ici, pour récapituler, ici, ma clé de départ, ma clé d'arrivée, la valeur de ma clé, c'est une valeur de rotation, donc ce sont des degrés. Ici, j'ai l'indication de sur la clé sur laquelle je me trouve. D'accord? Pareil à ce niveau-là, verticalement, hein, en abscisse, ordonnée. Et ici, on a des valeurs de... En fait, ça, ce sont des courbes d'amorti. D'accord? On retrouve ça aussi dans After Effects. Donc, regardez, j'ai mes 2 clés. Clé de déplacement vertical et en même temps de rotation. Alors, bien évidemment, je pourrais sélectionner mes clés de rotation et les décaler, par exemple, ou mes clés décaler ma rotation. Alors, ça, je peux le faire très simplement. Regardez, je vous ai dit qu'il tournait en Z. Donc, si je fais clic droit sur cette clé et que je prends ma clé de rotation Z, regardez, je peux décaler. Pardon, ici, je peux décaler sur quel temps elle se trouve. Et regardez, la clé se décale en bas. Je ne sais pas si vous voyez ici. D'accord? Cette clé, je suis en train de la décaler dans le temps et de l'amener à la frame 10, par exemple. L'image 10. Et si je prends ma 2e clé qui était à l'image 50, je peux la décaler à l'image 60. D'accord? Donc, ces 2 clés, celle-ci et celle-ci, ce sont mes clés d'interpolation de rotation. Et regardez, si je déplace pendant les 10 premières secondes, j'ai bien le bâtiment qui s'élève, mais qui ne tourne pas. Il va commencer à tourner à partir de l'image 10. Vous voyez, j'ai séparé mes 2 interpolations de déplacement et de rotation.
ça peut être intéressant dans certains cas de dire un déplacement, un début de rotation ici et une fin de rotation avant, après le déplacement. Alors ça, c'est intéressant en animation parce qu'il y a des écoles d'animation, typiquement Disney, il y a des bouquins qui sortent dessus ou des tutos là-dessus qui sont intéressants parce qu'on essaie toujours de décorréler un petit peu les animations pour qu'il y ait toujours une inertie. Vous voyez que c'est plus intéressant dynamiquement que l'objet s'élève et commence à tourner et finit de se tourner après son déplacement, que plutôt que tout se fasse en même temps. Parce que l'œil a le temps d'enregistrer ses micro-déplacements. Et ça donne plus de dynamique, en fait. D'accord ? Donc là, j'ai tout simplement décalé mes deux clés, mon interpolation de rotation, je l'ai décalé, en fait, de 10 frames par rapport à mon déplacement. Et on a un petit décalage dans le temps qui permet de donner de l'inertie, en fait. Hein. Vous voyez ? Des questions par rapport à ça ? Non, non. OK. Excusez-moi, je réponds pour le boulot. Mais monsieur, ça, ce que vous faites, on ne peut pas le faire directement sur After Effects, au final ? Non, parce que, en fait, After Effects, on ne va gérer que des images. C'est le rendu qu'on va gérer sur After Effects. Ah, là, OK. Voilà. After Effects, on ne va pas intégrer un objet 3D, on va intégrer des séquences d'images. D'accord. D'accord ? Ouais. Alors, je vous avais dit l'autre fois que pour intégrer des objets 3D sur After Effects, il fallait des plugins comme Elements ou des trucs comme ça qui permettent d'intégrer des OBJ dedans. Nous, le but, c'est qu'on fasse une animation en 3D, qu'on récupère les rendus images et qu'on traite les images sous After Effects. Alors, okay. Effectivement, il y a des choses, comme c'est du rendu isométrique, qu'on pourra tout à fait faire sous After Effects. On okay. va découvrir, mais le but, c'est vous voyez un peu l'ensemble du process. Okay. Donc ici, regardez, j'ai ceci. OK. Alors, en général, c'est pas en général, c'est majoritairement, on se laisse toujours une poignée. C'est-à-dire que je ne devrais pas commencer directement l'animation à zéro. C'est l'erreur que font beaucoup de débutants. Ils démarrent directement l'animation. On se laisse une poignée. On appelle ça des poignées, comme quand vous faites un plan, vous laissez une marge de manœuvre avant d'attaquer le plan, en fait. Vous filmez quelques secondes avant le plan qui vous intéresse, en fait. Donc là, ce que je vais faire, regardez, je vais sélectionner toutes mes clés. Alors, cette barre noire, vous ne l'avez pas forcément. Il faut cliquer, faire un clic droit sur la timeline, configurer, et vous cochez l'option « Afficher intervalle de sélection ». Vous voyez ? Si je coche pas l'option configurer, afficher l'intervalle de sélection, vous n'avez pas la barre noire. La barre représente votre sélecteur d'interpolation, en fait. D'accord ? Ça me donne la plage de toutes mes clés. C'est intéressant parce qu'on peut les réduire. On peut les réduire et les rapprocher pour augmenter la vitesse d'animation et ça le fait uniformément. D'accord ? Donc, une fois que j'ai cette barre noire, je peux sélectionner toutes mes clés et déplacer pour me laisser une petite poignée de 25 images, qui est une seconde. Hein. Il se passe une seconde sans qu'il ne se passe rien. Et à partir de là, je commence à avoir mon animation qui se joue. Donc, j'ai laissé ma poignée d'exécution, en fait, de mon animation. OK pour tout le monde ? Ouais. Oui. Alors, là, chose intéressante, c'est qu'en fait, au départ, je veux avoir une échelle. Donc, j'ai décoché clé automatique pour ne pas enregistrer ce que je fais. Donc, j'ai toujours mon interpolation qui se passe comme ceci. Je vais utiliser l'outil échelle. Alors, ici, sur l'outil échelle, j'ai par défaut l'échelle uniforme qui me permet soit de faire une échelle uniforme sur les trois axes, soit de contraindre verticalement, horizontalement ou en profondeur mon échelle. D'accord ? Mais j'ai un autre outil échelle qui est plus intéressant. Il suffit de rester cliqué sur le bas de mon échelle ici, sur le petit coin, et je prends l'outil échelle qui s'appelle écraser. Et regardez quand je fais une échelle d'écrasement, voilà, il permet de donner verticalement, si je prends verticalement, regardez, non seulement je l'écrase, mais l'objet s'élargit, ce qui me permet de donner cet effet de quand un objet s'écrase, s'il était un peu en plastique ou en caoutchouc, il s'élargirait avant de reprendre sa forme initiale. Et ça, c'est intéressant parce que je vais pouvoir, grâce à ça, lui donner ce petit effet cartoon. Donc ici, regardez ce que je vais faire.
je vais prendre ici. Alors, je vais me mettre légèrement décalé pour que vous puissiez voir les clés qui apparaissent, d'accord? Ici, alors non, je vais me mettre à zéro. Il n'y a pas de souci. Je vais partir mes clés de zéro, on s'en fout. Et je vais aller sur l'échelle 45, d'accord? Et non, je dis une bêtise. Hein. Je me mets à zéro, pardon, autant pour moi. Je prends clé auto. Et ici, regardez, j'ai mes valeurs d'échelle, en fait. Quand j'écrase mon objet, vous voyez que les valeurs dans les champs changent. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On les voit changer. Elles ont toutes des valeurs différentes. Ce qui est normal, puisque je vous ai dit que verticalement, l'objet s'écrasait. Donc, en Z, on a bien une valeur inférieure. Et largeur et profondeur, on a la même valeur. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement mes trois échelles à zéro. D'accord? À l'image 0, en clé auto, je mets mon échelle sur les trois axes à 0. Je déplace ma tête de lecture. Je vais, après mes clés, par exemple à l'image 100, et là, je vais faire reprendre la forme. Alors ici, il faut que je change mes valeurs, en fait. Donc ici, je vais remettre 100%. Ici, je vais mettre 100%. Et 100% ici. D'accord? Donc, regardez, j'ai bien un changement d'échelle entre l'image 0 et l'image 100. D'accord? Pour vous montrer, je vais décaler mon échelle juste sur la poignée qui ne sert à rien. Donc, je vous montre bien qu'entre ces deux clés, j'ai la prise de volume de mon bâtiment. D'accord? Sauf que là, je n'ai pas cet effet d'écrasement que je voulais. Mais ce n'est pas grave. Je me mets sur l'échelle où il est censé être à 100% et je vais lui donner une échelle un peu supérieure. Vous voyez, je le déforme légèrement. J'arrive à 116% en fait. Et ça va donner ceci. Donc là, je n'ai pas de changement notable. On est d'accord? Parce qu'il va falloir que derrière, je remette une clé où il reprenne ses bonnes dimensions, 100% partout. Donc, je vais rentrer les valeurs 100% partout. Et là, regardez entre les deux, j'ai bien un effet d'agrandissement et un effet sur la clé suivante de reprise de ces dimensions. D'accord? Vous voyez ou pas? En fait, je me retrouve avec trois clés ici. J'ai trois clés d'animation. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu dessus pour vous montrer. Vous voyez mieux les clés, là, je pense. Clé de départ, échelle à 0% sur les trois axes. Clé d'arrivée. Ici, je passe par une déformation où j'ai 115% ici et 86% sur les X et Y. Et en Z, j'ai 115%. Donc, il se déforme. Et après, il reprend sa position initiale ici. Je peux même espacer mes clés pour voir l'effet que ça donne. Ça donne ceci. Et il reprend sa version initiale. D'accord? C'est là où on a l'effet un peu d'élargissement parce qu'il a pris de la hauteur. Il se reprend sa forme initiale sur la troisième clé. Si je fais un clic droit, éditeur de courbe, on devrait voir cette valeur ici. Regardez. Je vais me focaliser que sur l'échelle. Donc, je sélectionne que l'échelle. Je vais me focaliser sur la partie échelle. Regardez. Et là, j'ai bien cette déformation sur mes trois axes. On voit là où il est déformé, ici, on a les 86%. D'accord? Parce que là, on a rouge, vert, bleu, ce sont les trois axes, en fait, hein, ici, Y, Z. Ici, en Z, on a bien 115% ici. Et après, mes valeurs tendent à redevenir à 100% ici. Les trois en même temps, en fait, elles repassent à 100%. Hein, d'accord? Alors, je pourrais faire comme ceci, plusieurs effets. C'est-à-dire que ici, je me dis, voilà, l'objet, avant de reprendre sa forme initiale, il va se recontracter de nouveau pour reprendre sa forme initiale. Donc, ça veut dire qu'ici, je devrais repasser sur une clé intermédiaire. Donc, j'active clé auto et je reprends ici mon échelle. Ouais, d'accord, il part au maximum, il repasse
par les 100% ici. Alors, je vais décaler un peu ces deux clés-là, qu'elles ne me gênent pas. Il repasse par les 100% ici, mais il continue à descendre, en fait, pour s'écraser. Vous voyez? Donc ici, il se détend. Ici, il s'écrase complètement. Et je veux qu'en fait, mon échelle où il reprend ses 100%, elle soit derrière, en fait, après. Donc ici, on va obtenir ceci. Il s'étire, il se recomprime et il reprend sa valeur. D'accord? Donc ça donne ceci. Il s'étire, il se recomprime pour reprendre, essayer de reprendre sa valeur 100%, mais avec l'inertie, il descend plus bas et il reprend sa valeur initiale à la fin. On pourrait faire comme ceci plusieurs oscillations pour lui donner cet aspect un peu ressort. Alors, ça donne ça en lecture temps réel. D'accord? Ce n'est pas très joli. Ça donne ça en lecture temps réel parce que ce n'est pas très rapide, en fait. Mais si je fais coïncider sur toutes mes clés en même temps, vous allez voir. Donc ici, rappelez-vous, ce sont mes deux clés où l'objet est censé s'élever dans les airs et commencer à tourner jusque-là. Donc moi, là, ici, j'ai mes clés d'échelle, d'accord? Ici, en bleu, ce sont que les clés d'échelle sur l'axe Z. Hein. C'est là où il prend sa forme initiale, sa forme finale, en fait. Donc je veux qu'il reprenne sa forme finale, peut-être, à ce niveau-là. Au niveau, il n'a pas encore fini sa rotation, je veux qu'il prenne sa forme finale. Donc la clé en déformation, ben, je la décale jusqu'à cette partie-là. La clé ici, je vais la mettre peut-être en intermédiaire ici. Ma clé qui est ici, je vais la mettre juste un petit peu avant. Et ma clé de départ, ben, je vais la mettre au départ d'ici. Donc ça va donner ceci. J'ai l'immeuble qui va monter. D'accord. Donc, vous voyez que là, j'ai mal calé mes clés parce qu'en fait, il faudrait que ce soit à la fin du déplacement qu'on ait cet effet d'étirement, en fait. Hein. Essayez de placer quelques clés comme cela. Essayez de placer quelques clés pour voir ce que ça donne et regardez, ben faites un test, en fait. Vous me dites si ça fonctionne ou pas. Alors, bon, je vous laisse tester un petit peu, mais ces clés, alors les clés de déformation, je vais les supprimer juste pour recommencer. Pardon, je sélectionne ces clés-là et je supprime que les clés en fait, pas l'objet. Hein. Et ici, je vais le caler en même temps que j'anime mon objet en fait. Hein. Je vais le caler directement sur mes clés d'entrée de jeu, comme ça on va voir ce que ça donne. Donc, je replace mes clés correctement. Ici, j'ai bien déplacement vertical, début de rotation, fin de rotation et stabilisation, fin de déplacement vertical et stabilisation de rotation. Ici, je mets mon échelle à zéro. Alors, avant de la mettre à zéro, on peut travailler à l'envers, ce qui est des fois bien plus pratique. Hein. Regardez, à la fin du déplacement, je vais jouer sur l'écrasement de mon bâtiment. D'accord? Donc, à la fin du déplacement ici, j'ai joué sur l'écrasement du bâtiment. Sauf que vous verrez que la clé de départ de cette échelle, il me la place à zéro. Donc, à moi de la décaler pour qu'elle commence à partir de 25. Alors, logiquement, si là, j'ai travaillé à l'envers. Hein, si l'objet monte, il devrait d'abord plutôt s'écraser dans ce sens-là. Oui, d'accord. Et à partir de là, se relâcher en fait. Vous allez voir, ça donne ceci. En fait, il devrait se relâcher en fin de course. Donc, je recommence ici. Voilà, je recommence sur ma clé d'échelle. Ici, pendant qu'il monte, il doit s'écraser sur lui-même avec la vitesse, par exemple. Hein.
Donc, pendant qu'il monte, il doit s'écraser sur lui-même, un petit peu avant la clé finale. Donc, ici, je le fais s'écraser sur lui-même. Ma clé de départ, je la remets au départ où il est censé monter. Donc, ici, je crois que c'est l'image 25. Vous voyez, il s'écrase pendant qu'il monte. Il s'arrête de monter ici. Donc, derrière, il est censé se détendre un petit peu. Je décale encore de deux ou trois clés pour qu'il reprenne sa position initiale où je mets 100% partout. Alors, c'est un peu rapide. Je vais décaler un peu mes clés comme ceci. Alors, j'étais peut-être un peu haut sur celle-là. Au lieu de mettre 115, je vais mettre un peu moins. Voilà. OK. Donc ici, j'ai bien. Je me mets à l'échelle, à la première clé ici. Je mets mon échelle à zéro partout, parce que je ne l'avais pas fait. Et ici, j'ai bien l'objet qui va commencer à grandir en s'écrasant et finir sur un agrandissement pour reprendre sa position initiale. Donc ici, pour récapituler, à l'image 25, j'ai à la fois la clé d'échelle à zéro, j'ai la clé de déplacement, j'ai le début de la clé de déplacement et c'est tout. Ici, j'ai le début de la clé de rotation. Donc, il va commencer à tourner ici. Ici, j'ai le début de clé où l'objet va se détendre. Il va commencer, la clé d'échelle, il va commencer à se détendre vers le haut. Ici, j'ai la clé de fin d'animation verticale. Et ici, je reviens vers une clé normale d'échelle, en fait. Et j'ai la fin de ma rotation qui est juste après. Donc, ça donne ceci. En temps réel, ça donne ça. Alors, comme c'est un peu lent, ce n'est pas gênant, je peux prendre toutes mes clés et les rapprocher ici pour les recompacter, pour donner un peu plus de dynamique. Alors, il monte encore un peu trop. Là, je vais baisser un peu sa valeur. Clé auto. Et je vais baisser ici verticalement sa déformation, en fait, pour l'amener à 110 ou 108, voilà, légèrement plus. Hein. Vous voyez, j'ai directement agi sur le champ qui est ici. Hein. C'est le champ édité de l'échelle, en fait, hein, parce que j'avais l'outil échelle à la main. Donc, ça va donner ça. Voilà. C'est à peine perceptible. Hein. Monsieur ? Oui ? Vous pouvez faire play juste pour voir votre animation sans... Et ça marche. Je remonte. Okay. Alors, attends, je vais juste... Okay. Tu vois, à la fin, on voit que l'objet se détend et reprend sa place. Alors, on peut accentuer là-dessus encore une fois et lui donner des petits mouvements d'oscillation. Hein. Donc, ça donnerait ça, par exemple, ici. Je vous montre ici. Si je viens ici... Alors, toc, 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 toc. OK. Donc ici, si je viens ici, on a l'échelle verticale. Alors, vous voyez, les couleurs vous donnent des indications. Hein. Ici, j'ai du bleu. C'est l'échelle en Z, puisque l'axe Z, c'est bleu. Ici, j'ai plusieurs couleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs clés là-dessus. Rappelez-vous, j'ai la clé de fin de déplacement, je crois. J'ai aussi ma clé d'échelle. Donc, ça veut dire que là, si j'ai ma clé d'échelle en Z, je peux cliquer sur clé auto et modifier ça pour modifier cette clé d'échelle et tout en l'enregistrant. Ensuite, je dis, donc ici, ça fait ça.
ça redescend ici à 100%. Au lieu d'être à 100% en échelle, je vais descendre un peu plus bas. Alors, je prends mon outil échelle, pardon. Je prends mon outil échelle. Voilà. Je fais comme ça plutôt. Je le descends un peu plus bas, donc il va s'écraser un petit peu. Je reviens deux clés après, et je le remonte un petit peu, à peine au-dessus des 100%. Et je viens une clé après, et je vais le remettre à 100%. Je vais lui donner un petit effet d'oscillation. Voilà, j'ai repris 100%. Donc, ça donnerait ceci. Alors, sur mes clés, si je fais afficher mon éditeur de courbe, vous voyez le bordel que ça fait, en fait. Ici, je vais afficher que mes clés d'échelle, parce que c'est l'échelle qui m'intéresse. Voilà, j'ai mes clés d'échelle ici. Il faut qu'il y ait quand même une certaine harmonie dans les échelles, en fait. Ici, on voit que, en fait, ma partie Z ici, elle fait comme ceci. Peut-être que cet élément-là demanderait à venir comme ceci. Pareil pour les autres, à passer au-dessous pour qu'on ait cet effet d'oscillation, en fait. Pour qu'on ait un effet d'oscillation sur l'échelle. Je regarde ce que ça donne. Vous voyez qu'on a un effet plus joli sur l'oscillation du bâtiment à la fin. En fait, j'avais inversé mes clés. Je vous remontre ici sur l'éditeur de courbe, sur la partie échelle. Donc, j'ai sélectionné que l'échelle ici. Vous cliquez sur cet outil-là qui vous permet de centrer à la fois l'abscisse et l'ordonnée correctement sur ce que vous avez animé. Et ici, j'essaie d'avoir une cohérence entre ces différents éléments. Donc, si je prends que la courbe bleue, d'accord, j'ai un début d'échelle ici. Bon, je pourrais même animer ma courbe plus jolie que ça pour avoir une belle progressivité. J'ai un début d'échelle, ça grandit, ça redescend, ça s'agrandit de nouveau et ça revient. Mais à chaque fois que ça s'agrandit, vous voyez, on a bien la courbe d'oscillation qui se dessine visuellement aussi. C'est normal. Ici, je vous rappelle qu'en ordonnée, c'est la valeur ici en pourcentage de l'échelle. Donc ici, je suis à 110%. Ici, je suis à moins 90%. Ici, je reviens à 105%, par exemple. Et ici, je reviens à 100%. Quand vous avez un objet qui est un peu en plastique et qui fait cet effet de rebond, il va commencer à aller au plus haut et puis petit à petit à reprendre sa forme initiale en passant par une étape d'oscillation. Donc ici, on la voit bien visuellement. Je peux même jouer sur mes clés pour les rapprocher un petit peu, pour régler l'espace-temps de mon oscillation, en fait. Typiquement, alors elle, je vais peut-être juste les redécaler par là, peut-être. Voilà. Pour avoir une oscillation un peu harmonieuse. Ici, là, on est bien. Cette valeur, elle devrait être peut-être un poil inférieure. On a une oscillation aussi dans cet axe-là. Donc là, c'est pas mal. Je regarde ce que ça donne. Oui, on a bien le fait que j'ai décalé aussi la rotation, on a bien cette petite inertie à la fin, après le mouvement, qui dit le truc il continue à tourner sur lui-même, etc. Et on obtient ceci, avec l'effet de rebond à la fin. Alors, je vais recaler ça à 0. Ici, on va se mettre à 100. OK. Donc, j'ai ceci. Je n'ai pas de clé au départ. J'ai une poignée de 25 images. Et ici, j'ai mon animation qui se joue de l'image 25 à l'image 46. Donc, c'est-à-dire sur 21 images. Donc, moi, j'aime bien caler... prendre comme référence une seconde. On va dire que toute l'animation complète se joue sur une seconde. Donc, si je pars de l'image 25 ici, je vais mettre à 80 pour qu'on puisse la voir. Voilà. Si je pars de l'image 25, il serait bien que j'arrive à l'image 50, en fait. D'accord ? Donc, que toute mon animation se déroule sur
25 images, en fait. Donc, ici, d'ici, de l'image 25 à l'image 50. Donc, on a bien 25 images sur lesquelles se déroule l'animation. Ça donne ceci en temps réel. Vous voyez ? C'est un poil plus lent, mais ça donne le temps de voir, en fait. OK ? Yes. Et là, on va rajouter un. Donc, on a fait déplacement, rotation, échelle, trois transformations. On va rajouter un quatrième facteur qui est une déformation. Parce que comme l'objet tourne sur lui-même, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je vais sauvegarder cette scène. Je vais la mettre chez vous. Monsieur ? Ouais. Vous pouvez juste refaire tourner votre animation. Je crois que sur mon ordinateur, c'est pas fluide du tout. Attends, deux secondes. J'enregistre et je le fais. Sur mon ordinateur, c'est pas. Part, on va faire anime. Test 01. OK. Ici, ça donne ça. Alors, si c'est pas fluide, c'est que c'est des problèmes de clé d'animation. Je vous conseille quand même de regarder l'éditeur de courbe. Voilà. Vous devez avoir une courbe d'animation harmonieuse. Une oscillation, c'est une courbe, une sinusoïdale comme ça qui va en s'atténuant. Alors, je vais essayer de, j'aimerais bien quand même choper ce tableau blanc. Hein. J'arrive pas à voir ma barre d'outils. C'est fou ça. Elle est là, ma barre d'outils. Putain, je la cherche partout, elle est là. OK. Je vais essayer de voir si je peux avoir un tableau blanc. Vous avez le tableau blanc là ? C'est bon ? Oui, oui. Ouais. OK. Vous avez sur la timeline, vous avez une clé, la clé 0 par exemple. Vous avez la clé 1. 2, 3, alors j'ai créé la souris, hein, je suis désolé, hein. 4, 5, etc. D'accord ? Ici, quand je vais avoir une oscillation, ça va faire comme ceci. D'accord ? C'est-à-dire que non seulement l'espace entre mes sinusoïdales ici va se réduire petit à petit, on est d'accord ? Il va se réduire petit à petit. Mais l'espace, bon, je vais essayer de changer de couleur, l'espace entre mes crêtes, il va se réduire aussi, de façon exponentielle. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Ouais. Ouais. Okay. Donc, ça veut dire que si je place une clé ici, que je passe une autre clé là, ça veut dire que la clé suivante, elle sera à 2 d'écart, et la clé suivante, elle sera à 1 d'écart, par exemple. Vous voyez que l'écart, il est à 3 ici, l'écart ici, il est à 2, et l'écart, il est ici à 1. C'est ce qu'on voit ici sur cette représentation ici. On voit bien que non seulement les clés se rapprochent les unes des autres, je vais essayer de zoomer dessus. On ne voit plus le tableau, monsieur. Il n'y a plus le partage d'écran. Ah, pardon, excusez-moi. Il est con, ce truc-là. Partager l'écran, il faut que je reclique là-dessus. C'est bon, là ? C'est bon, là ? Oui, 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 c'est bon. Donc ici, on voit bien cette oscillation verticale. Et horizontalement, on voit bien que les clés se rapprochent petit à petit les unes des autres. D'accord ? Je peux même les sélectionner et les rapprocher manuellement ou les espacer pour lui donner une oscillation plus réaliste. OK ? Et dans les oscillations, on a des amortis. Un objet, quand il se déplace, une voiture, quand elle se déplace, elle ne part pas de zéro. Dès qu'elle démarre, elle a une phase d'accélération avant d'aller à 100 km/h. On est d'accord ? Elle a bien une phase d'accélération. Eh ben, c'est pareil pour les clés. Il y a toujours une phase d'accélération avec un ralenti
Donc, un ralenti avant d'atteindre sa vitesse, son point maximum. On frôle l'inertie, puis on réaccélère de nouveau pour repartir de l'autre côté. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans ces phases d'accélération et de décélération. On les retrouve ici avec ces courbes de Bézier. Donc, c'est là où je veux en venir. Donc, j'ai dit que ce qui serait bien, c'est qu'on mette aussi une torsion. Imaginez que l'objet soit en caoutchouc. Si on le tourne sur lui-même, il y a une torsion qui s'effectue sur lui-même. D'accord ? Alors, pour créer une torsion qui est dans l'axe de l'objet, il va falloir que je modifie cette boîte et que je la segmente verticalement. Sinon, je ne peux pas avoir de torsion. Torsion, c'est ceci, je vais vous montrer. C'est un modificateur, en fait. Je vais rajouter ici le modificateur torsion. Il est là, dans les T. Torsion, il est là, et ça me permet d'effectuer une torsion sur l'objet. D'accord ? Donc, dans les dessins animés, quand un objet se vrille ou commence à se tourner, c'est déjà d'abord le bas qui commence à se vriller, puis après le haut. On a toujours une inertie. Donc, on va jouer aussi sur cet effet cartoon, sur l'inertie de torsion de l'objet. Ça va donner ceci. Regardez. Je vais activer clé automatique. J'ai un début de rotation ici. D'accord ? J'ai un début de rotation ici. Ça veut dire que je dois avoir une inertie en torsion. C'est-à-dire que dès que l'objet commence à tourner ici, en fait, je devrais le contrarier en le tournant dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je recommence. L'objet, dès qu'il commence à tourner, on va dire que la partie haute ne tourne pas encore. C'est la partie basse qui commence à tourner, mais le haut ne tourne pas encore. Donc, ça veut dire qu'ici, à cette image-là, deux, trois images plus loin, je vais créer une clé de torsion inverse, en fait. Donc ici, je replace l'objet dans l'axe. Je ne sais pas, ça va être un truc un peu comme ça, par exemple. Et regardez, il m'a créé la clé de torsion de départ ici. Donc, cette clé de départ, je l'amène au moment où il commence à tourner, en fait. Et ça va donner ceci. Il se tourne. Et pendant qu'il tourne, le haut n'a pas suivi. Et le haut commence à suivre. D'accord ? Il se détend. Et il finit sa rotation ici, logiquement. Il finit sa rotation ici. Ici, en fait, voilà. Et quand il a fini sa rotation, je continue un petit peu plus loin. Et je lui dis, ben, en fait, tu vas revenir à ta place, mais avec l'inertie, tu vas aller un petit peu plus loin. Et quelques clés après, plus loin, je dis, ben, tu vas essayer de revenir à ta place en dépassant un peu la position de départ. Et je me mets une clé plus loin, ou deux clés plus loin, et là, tu prends ta torsion entière. Enfin, tu reviens à ta torsion initiale, c'est-à-dire aucune. Ça va donner ceci. L'objet monte avec une torsion qui a un peu d'inertie, mais qui est mal calée, hein, que je vais recaler par la suite proprement, et qui arrive ici. Je fais un clic droit, j'ouvre l'éditeur de courbe pour voir ce qu'il en est de cette torsion. Donc, si je prends objet modifié torsion, c'est l'angle de torsion en fait. Hein. L'angle est là. Je vais sélectionner l'angle de torsion uniquement. Et je vois que ben, ma torsion, elle n'est pas terrible en fait. Elle est pas propre en fait. Donc ici, ce que je vais faire, je vais décaler pour réagencer un petit peu ça. Pour essayer d'obtenir une torsion à peu près correcte. Vous voyez, je retrouve ma sinusoïde. Donc, celle-ci doit être moins haute que celle-là. Hein. Vous voyez que le seuil, là, c'est le zéro. Cette clé-là est moins haute ici que celle-ci. Celle-ci doit être un peu plus haute et celle-ci doit être plus haute que celle-là. D'accord ? Comme ça, on a bien cet effet d'oscillation qui se rapproche ici dans le temps. Et logiquement, voilà, on doit être encore plus proche de la dernière, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien un effet d'oscillation. D'accord ?
C'est pour ça que l'éditeur de courbe est pratique, parce qu'il est très visuel. Je vois les trajectoires de mes objets, enfin le mouvement d'oscillation de mes objets. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Vous voyez ? On est bien calé là. On a bien un beau mouvement d'oscillation avec une inertie à la fois verticale sur l'échelle et en torsion sur la rotation. Ça donne ceci à vitesse réelle. OK ? Alors, ça mériterait d'être calé un poil. Hein. Ça marche pour vous ? Oui. OK. Et là où c'est intéressant, vous allez voir. Donc, je sauvegarde cette scène-là. Je vais réouvrir mon immeuble. Ouvrir récent, donc c'est celui-là. OK. Donc, avant de travailler sur cet immeuble-là, j'ai déjà fait l'animation de déplacement, rotation, échelle sur la boîte. D'accord ? Je peux peut-être m'en servir pour lui. Alors, regardez comment je vais faire. Je vais faire fichier, importer, fusionner. Je vais aller dans... Ici, je vais aller prendre... C'était AnimTest, ici. Je prends la boîte et je fais OK. En fait, la boîte est là, regardez. Si je déplace, vous voyez les clés d'animation ? Si je déplace mes clés d'animation, ça fait ceci. Je pars bien de zéro et j'arrive là. Et qu'est-ce qui se passe si je link, si je fais tout simplement un lien hiérarchique entre mon immeuble et ma boîte ? Vous allez voir. Alors, la boîte, je ne la vois pas là. Parce qu'elle est cachée, elle est à 0% en échelle. Je ne la vois pas. Donc, j'aurais du mal à faire mon lien hiérarchique. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil lien hiérarchique. Je vais ouvrir ma liste ici et je vais venir sélectionner l'objet allié. Donc, c'est la boîte. Vous voyez, elle est là, ma boîte. Et je dis, toi qui es sélectionné, tu te lies à la boîte. Du coup, vous avez vu que mon immeuble, il prend l'échelle 0%. Et si je déplace ma tête de lecture, alors, j'ai fait une bêtise, CTRL-Z, c'est l'inverse que j'aurais dû faire. J'ai fait une connerie, hein. Autant pour moi. Je réouvre ma scène, ne pas enregistrer. J'aurais dû le lier quand il était à 100%, en fait. J'aurais dû faire l'inverse. Donc, je recommence. Fichier, importer, fusionner. AnimTest 01. OK, ouvrir. Je prends la boîte. Je déplace ma tête de lecture pour aller à l'échelle, enfin, après mes clés d'animation, en fait. D'accord ? L'immeuble qui est là. Alors, je vais tout décaler, mais ce n'est pas gênant. Je vais juste fonction F3. En fait, j'aurais dû le faire le cycle complet, mais ce n'est pas grave, je le referai après. Hein. Fonction F3, voilà, il est là. Donc, en fait, il faut que je décale l'immeuble pour le mettre au même niveau que ma boîte ici. Donc, du coup, les fenêtres ne vont pas suivre. Je vais les mettre avec. Donc, je décale l'immeuble pour le mettre au niveau de ma boîte, parce qu'en fait, quand j'ai animé la boîte ici, je vais y arriver. Hein. Je ne trouve plus, ma boîte, elle est là. CTRL-I. Okay. Quand j'ai animé ma boîte, je n'ai pas fait le fait qu'elle retombe sur le sol. Donc, il faudra que je le refasse tout à l'heure. Mais je vous montre ce que ça fait. Si je redéplace mon immeuble ici et que je lis tout ça à ma boîte, voilà. Donc là, c'est bon.
Regardez ce qui se passe quand je joue l'animation. On a l'objet qui va faire exactement ce que fait ma boîte, en fait. Donc, l'animation que j'ai fait sur un objet simple, je suis capable de la transmettre à un autre objet plus complexe. Alors, attention, il n'y a pas la torsion, parce que la torsion, c'est une déformation. Là, je ne peux jouer que sur la transformation, parce que les liens hiérarchiques conduisent ou transmettent que les transformations, pas les déformations. D'accord ? Donc, échelle, rotation, tout ça, ça marche, mais pas la torsion. Il faudrait que je rejoue sur cette partie torsion. Donc, on pourrait envisager d'animer un objet tiers et de dire, tiens, mais je vais transférer cette animation sur un autre objet plus complexe. OK ? Vous voyez que ça marche ici. En vitesse réelle, ça donnerait ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oui, moi j'en ai une. J'ai fait ce que vous avez fait, mais j'ai dû faire une erreur puisque quand j'ai lié tout ça avec le lien hiérarchique, on ne voit plus que la boîte, mais on ne voit plus l'immeuble, il n'apparaît plus. Ah, parce qu'il faut bien que tu te déplaces après les clés, comme j'ai fait. J'ai fait la même bêtise. Ah, OK. Tu le lis, tu déplaces avec ta tête de lecture, tu te mets après toutes les clés d'animation et c'est là que tu lis ton immeuble. D'accord, merci. D'accord. Et l'immeuble, il a fallu que je le monte pour que le point de pivot de l'immeuble corresponde au point de pivot de la boîte, bien évidemment. D'accord ? Alors, je vais réinitialiser tout ça, enfin réouvrir l'appartement ici, juste lui, ne pas enregistrer, bien évidemment. Alors, pour animer cet objet complexe, parce que tout ce que j'ai fait, là, je peux le faire sur l'immeuble directement, hein. Au lieu de passer par la boîte, hein, je vais le refaire devant vous. Là, je peux le faire sur l'immeuble ici directement. Ici, je vais isoler ma sélection. Pardon. Voilà, histoire de me concentrer que sur lui. Je vais reprendre tout ce qu'on a fait depuis le départ. Je me dis ici, je me mets à l'échelle 25, au niveau 25. Et vous avez vu qu'à chaque fois que je crée une clé, il me crée une clé au départ. À zéro. Il y a un moyen d'éviter ça pour qu'il crée les clés à partir de là où je lui demande de les créer. Et je vous montre ici, regardez. Je vais l'image 25 pour créer ma poignée de départ où il n'y a pas d'animation. Et là, au lieu de cliquer sur clé automatique, je clique sur définir clé. Regardez, il m'a créé une clé ici. Cette clé, elle agit sur toutes les transformations en X, Y, Z. Position, échelle, rotation. Il vient de me créer une clé à l'instant T, à l'instant 25, de la position de l'échelle et de tout ce qui va bien de mon objet. D'accord ? Ce qui me permet ici de décaler à l'image 50, de cliquer sur clé auto et regardez, quand je décale verticalement mon objet, il ne part plus de l'image 0, mais il part bien de lui. Parce que là, j'ai dit, voilà, les clés sont là, à cet endroit-là, elles ont cette valeur-là. Et regardez, il a bien créé une interpolation à partir de ma clé manuelle jusqu'à ma clé finale. D'accord ? Donc là, j'ai créé ceci. Alors, bien évidemment, regardez, si je recrée une clé manuelle ici, il va prendre en compte où en était mon interpolation. Pardon, je vais boire un coup. Où en était mon interpolation ? Donc, il ne change rien. Il m'a juste dit, il prend qu'à cet endroit-là, les clés ont cette valeur-là. C'est tout. Si derrière, je fais partir une clé de rotation, eh bien, elle partira de la valeur de rotation juste à la clé précédente. Je vais la supprimer parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et regardez, je vais faire ceci. Voilà, l'immeuble monte. Alors, il monte, je vais me faire entrer une valeur ronde, hein, comme ça, j'aime bien. Je vais me faire monter à 100 cm en hauteur. OK ? Donc, l'immeuble est monté de 0 à 100. J'ai dit qu'il attaquait sa rotation un peu plus tard. D'accord ? Donc, ici, je vais lui créer. Alors, je vais faire l'ancienne méthode pour vous montrer qu'on peut faire les deux. Il monte et il finit de tourner après la clé de position. Donc ici, je vais lui faire tourner rotation
J'active l'accrochage d'angle. Je lui fais une rotation de 360 degrés. Il m'a créé la clé de rotation ici et la clé de rotation initiale, il a posé ici, en fait. Il est parti d'ici, la clé de rotation. D'accord ? Puisque c'est là qu'il y avait une clé de rotation initiale. Et on va voir ce qui se passe. Donc ici, il tourne en même temps qu'il se déplace et il finit la rotation après. Alors là, ce n'est pas gênant, je ne vais pas recaler les clés de rotation. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous que l'échelle à cette image-là, l'échelle sera à zéro. Donc, on n'a pas le temps, l'œil n'aura pas le temps de voir qu'il y a un petit décalage entre le fait qu'il monte et qu'il tourne. Donc, ce n'est pas gênant. Par contre, le décalage entre la position, il vient se placer final et il continue à tourner après s'être placé, en fait. Ce petit décalage est important parce que l'œil l'enregistre et on sent que l'objet ne monte plus, mais tourne, continue à tourner. Donc là, on est bon. OK. OK, là on est bon. Ce qui serait bien, c'est qu'à partir de là, une fois qu'il a atteint la partie finale, avec un peu d'inertie, on ait l'outil échelle ici. Attention, parce que là, si je crée mon outil échelle, la clé d'échelle qui est là, elle débute ici en fait. Elle va se placer à partir de cet endroit-là. D'accord ? Toujours, puisque c'est lui qui a fixé, j'ai fixé ici. Transformation, rotation, position, échelle avec une clé fixe. Donc ici, ce que je vais faire, CTRL-Z, voilà. Après le placement en position, alors je vais zoomer un peu sur ma timeline, hein, histoire d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Ici, donc ici, après la fin, je me décale de deux clés, par exemple. Je vais lui donner une petite échelle verticale. Voilà. Et ici, je lui mets une échelle à 0% partout. Alors là, j'ai qu'une échelle finale, hein, en fait. Hein. Ici, ça veut dire qu'après, quelques clés plus loin, je lui fais reprendre, je suis à 105. Alors, ici, je devrais être plutôt, on avait dit, en vertical, on devrait être plutôt à... alors, je vais le mettre un peu plus haut. Hein. Voilà, je vais lui mettre à 107. Ici, je redescends à un peu au-dessous de 100, parce qu'avec l'inertie, il va se réécraser un petit peu. Alors, je fais plutôt à l'échelle, hein, comme ça, il s'écrase en même temps. Je prends, plutôt que d'agir là-dessus, je le fais avec l'échelle. Hein. Ici, je vais le mettre plutôt à un peu moins de 100. Donc, on va mettre 95, voilà, dans ces eaux-là. Ici, alors, vous voyez qu'entre ici, la clé bleue, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 clés. Donc là, je vais 3 clés plus loin. Je vais le faire dépasser un petit peu. À revenir un petit peu sous le seuil. Alors, je ne sais plus à combien j'étais là. Ici, je suis à 112. Ici, je suis à 95. Ici, je reviens un peu à peut-être 102. 103, voilà. Ici, je reviens 2 clés plus loin à 100%. Sur les trois axes, hein. 100%, 100%. Donc, ça donne cette petite oscillation sur la fin, d'accord, qui n'est pas terrible, elle n'est pas fantastique. Je peux la régler avec mon éditeur de courbe, clic droit, éditeur de courbe. Je vais sur l'échelle, mon échelle est ici, je vais zoomer là-dessus. Voilà. Euh...
Donc, ça, c'est bon. Lui, il doit être un peu plus haut. Lui aussi. Pour qu'on ait une véritable oscillation, en fait, il faudrait prendre courbe par courbe. Hein. Je vais zoomer un petit peu dessus. Donc ici, on a l'échelle en Z. Il monte au plus haut, il redescend un peu plus bas, il redescend presque au niveau. Et je vais rapprocher ici mes clés pour avoir quelque chose de plus cohérent. Voilà. Là, ça me semble correct. Peut-être que lui n'est pas assez haut. Ou assez bas plutôt. Hein. Vous voyez que lui, il a la même valeur que lui, en fait, ce qui n'est pas normal. Il devrait être un peu plus bas. D'accord ? Pour qu'on ait bien l'effet. Je vais décaler ça. Et lui, je vérifie qu'il soit bien à 100%. C'est le cas. Donc ici, voilà, cette clé devrait être un peu plus basse, puisque les 100% sont là, en fait. Hein. Il est légèrement en dessous, il revient un peu au-dessus. Alors, je pense que lui, il est passé en dessous. Et lui, il est un peu trop au-dessus. Voilà. On a un bel effet d'oscillation ici. On va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez que là, on est à l'envers. On devrait être écrasé. Dès qu'il sort, dès que il commence à pousser, en fait, l'immeuble devrait être s'écraser, en fait. Donc, je vais l'écraser ici. Je vais l'écraser aussi un petit peu ici. Voilà, un peu moins. Donc, on va avoir un immeuble qui pousse avec l'effet d'oscillation finale. Vous voyez qu'en fait, il était détendu, ce qui n'est pas logique. Avec la poussée, quand il monte, il devrait s'écraser, ce qui est le cas ici. Donc, j'ai rajouté juste deux clés intermédiaires. Et après, il se détend pour avoir cette petite oscillation sur la fin. D'accord ? Ça donne ceci. Alors, mes clés, je peux toutes les sélectionner. Image 25, j'ai dit que je jouais sur une seconde, donc je réduis l'espace pour le ramener à une seconde, 25 à 50, pour avoir quelque chose de plus dynamique. Voilà. Sur une seconde, ça passe bien. Et j'ai mon immeuble qui fait comme ceci. Sauf qu'après, ce qui manque, moi, c'est que l'immeuble tombe. Il s'écrase au sol, d'accord ? Donc ici, le sol étant là, qu'est-ce qui se passe ? L'immeuble se place, tourne, oscille. Je vais laisser une seconde de débattement entre les deux, histoire de se reposer un petit peu. Donc une seconde, c'est 50 plus 25, ça fait 75, là, d'accord ? Je crée une clé ici. Une clé manuelle sur mes trois transformations X, Y, Z et rotation, position, échelle. Donc, entre là et là, il ne se passe rien. Et ici, l'immeuble commence à retomber. Donc, je vais le prendre sur une seconde. Donc, ça fait jusqu'à 100. À chaque fois, je prends des créneaux d'une seconde. Hein. Je vais jusqu'à 100. Donc, 75 plus 25, ça fait 100. L'immeuble tombe. Et c'est là où il faut faire attention. Regardez. Je vais prendre l'outil déplacement, je vais mettre la valeur clé auto et je vais mettre la valeur verticale à 0. Donc, du coup, on a bien l'interpolation où l'immeuble tombe. D'accord ? Mais là, il y a un problème. D'après vous, quel est-il ? Je vais vous montrer sur l'éditeur de courbe. Regardez sur la position Z. Voilà ce qui se passe. Voilà la courbe en Z. On a le déplacement vertical ici. Alors, c'est plus loin. Je vais essayer d'aller là.
de ne pas caler toutes les clés. Moi, je ne sais pas, il ne veut pas se caler. Tac, voilà. Ici, l'objet est à 100 cm en hauteur. Il tombe sur le sol. Et qu'est-ce qu'on remarque ici, en fait ? On remarque qu'on a une décélération. Quand vous faites tomber un objet sur le sol, il a une phase d'accélération à partir du moment où il tombe, mais dès qu'il percute le sol, il passe de sa vitesse maximum, de sa vitesse à zéro, instantanément, parce qu'il percute quelque chose de rigide. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas cette courbe de décélération, elle n'a pas lieu d'être. Elle empêche d'imaginer que l'objet percute quelque chose. Je vous montre ici, ça donnerait ceci. Regardez en temps réel, l'immeuble tombe. On voit qu'il y a un ralenti sur la fin. Vous voyez qu'il y a un ralenti sur la fin, il se pose en douceur. Je pense que ça serait plus flagrant si je rapprochais les clés, peut-être. Vous voyez à la fin l'amorti? Eh bien, regardez. La clé qui est là, je la sélectionne. C'est celle-là qui m'importe, hein, le déplacement en Z. Hein. Et au lieu de la passer sur une tangente automatique avec amorti, ici, j'ai une tangente linéaire. Et regardez, je clique dessus. C'est comme dans After Effects, en fait. J'ai enlevé la courbe de Bézier de décélération et j'obtiens une décélération brutale. Je ferme ici, ça donne ceci. On a bien l'objet qui tombe sur le sol et qui a arrêté. Il n'y a plus cet effet d'amorti qui est à peine perceptible. Mais quand je vais accélérer les images, on le verra plus, ce sera plus flagrant. Mais on a bien l'objet qui tombe brutalement et qui est arrêté brutalement par le sol. Et ça, c'est important de l'enlever, sinon on n'y croit pas, en fait. Donc, ça donne ceci. Donc, je vais me remettre à l'image 100 pour bien voir la seconde, ici. Donc, ici, on a l'immeuble qui tombe. Pendant qu'il tombe, peut-être que c'est intéressant qu'il se déforme, d'accord ? Donc, rappelez-vous qu'ici, j'ai une clé en rotation, échelle et déplacement. Je décale mon image dès qu'il commence à accélérer et je prends mon outil déformation échelle, qui est là, et je lui donne une petite inertie, comme si l'immeuble… Regardez, alors, pour faire ça, il faut quand même que j'active clé automatique, hein, c'est mieux. Donc, j'étais 75 à l'image 80, par exemple. Je lui donne une petite déformation verticale et qui s'écrase un petit peu, comme si l'objet, regardez, dès qu'il part, vous voyez, il s'écrase un petit peu, hein, comme un effet cartoon. Je vais l'accentuer un peu plus pour qu'on puisse le voir. Voilà. D'accord ? Et dès qu'il va percuter le sol, ici, dès qu'il percute le sol, en fait, je vais lui laisser un peu d'inertie, juste une clé un peu plus loin, et je vais venir créer une clé statique. Il percute le sol, il n'a pas encore réalisé qu'il devait se déformer. Je décale encore de quelques clés en arrière, et là, je vais venir déformer et l'écraser. D'accord ? Là, je vais 4 frames plus loin et je lui fais remonter un peu au-dessus de 100, voilà, comme tout à l'heure. 3 clés plus loin, je le fais revenir un peu au-dessous de 100. 2 clés plus loin, je le fais remonter légèrement au-dessus de 100, mais à peine, genre à 101, 102. Et dernière clé, une frame plus loin, je le mets tout à 100% partout. Donc, ce qui donne ceci, vous voyez, donc ce n'est pas très joli, mais je vais régler ça dans mon éditeur de courbe ici. Après, c'est une question de calage de clé uniquement. Hein. Voilà, mon outil échelle, il est là. Elle est ici. Je vais zoomer un peu dessus. Et là, je n'ai pas une très belle oscillation, donc je vais rapprocher mes clés les unes des autres, en fait.
Oui, là, ici, on voit que je n'ai pas une belle oscillation. Ici, on l'a. Donc, je vais zoomer encore un peu dessus. Donc, ici, elle demanderait à aller un peu plus bas. Ici, un peu plus bas. Ici, un peu plus bas. Voilà, je les ai inversés, en fait, sur la fin. Donc, elle, pareil. Et elle devrait monter un peu au-dessus. Là, on est pas mal. Elle, un peu plus haut. À chaque fois, j'agis sur les trois axes, hein. Et ici, être un peu plus. Non, je ne peux pas un peu plus proche. Hein. Donc, c'est peut-être elle. Non, c'est bon, je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, elles sont peut-être un poil trop proches. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Légèrement un poil trop proche. Donc, regardez, je les sélectionne et je décale légèrement. Ici, pour avoir quelque chose de moins. Donc, l'animation complète, ça donne ça. Donc, j'ai encore des trucs à reprendre. Hein. Je vous remontre ici. L'espace entre les deux est trop long. Et l'espace de chute est trop long. Donc, regardez, je vais prendre toutes mes clés. Et je vais réduire ça à une seconde, pareil, comme j'ai fait. Donc, 75, ça va à 100. Je limite l'espace entre mes deux animations. Je rejoue. On voit que la chute est trop lente. D'accord ? Il faudrait qu'il chute un peu plus rapidement entre là et là. D'accord ? Donc, je vais prendre toutes mes clés où c'est la fin et je les rapproche les unes des autres pour obtenir une chute plus rapide. Donc là, elle ne me plaît pas, l'animation d'oscillation derrière. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a une clé en trop, en fait. Je vais la supprimer. Voilà, il y avait une clé en trop, en fait, tout simplement. Et je vais rapprocher cette dernière clé. Voilà, OK. Donc, je rejoue. OK, on a bien l'immeuble qui monte et qui tombe. Alors, des fois, ça saute un peu, c'est parce que c'est les frames qui sautent. Le rafraîchissement n'est pas assez rapide hein, avec le zoom derrière. Donc, des fois, vous avez la sensation que ça saute, mais c'est parce que c'est le zoom qui doit ralentir. Donc, ici, peut-être que l'inertie entre les deux est trop longue, à voir. Non, ça me semble correct. Donc, il faudra quand même peaufiner un petit peu cette animation. Hein. Donc, toujours avec l'éditeur de courbe, hein, quand vous affichez l'éditeur de courbe, ici, voilà, vous avez toutes les clés. Alors, des fois, il suffit de bien, de correctement les aligner. Ici, c'était quoi celle-là? C'était position. Pardon. Je vois plus la échelle. Objet poli. OK. Donc, des fois, en déplaçant une clé d'une frame ou deux, ça se cale parfaitement. Là, je pense que j'ai un petit calage encore à revoir un peu sur la fin d'animation. Il faut que je la peaufine proprement. Hein. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe si j'affiche tout ? Regardez. On a les fenêtres qui ne sont pas avec, en fait. Hein. D'accord ? Eh ben, tout simplement, ces fenêtres, il suffit que je les lie hiérarchiquement à mon immeuble et elles vont bouger avec. Si j'arrive, je ne les ai pas liés, je recommence, ça. Voilà, je les lis à l'immeuble. Il y en a une partie que je n'ai pas réussi à prendre. Il faut que je mette à la fin, bien évidemment. Je les lis hiérarchiquement à l'immeuble et on voit que les fenêtres subissent exactement hiérarchiquement
voyez, là, j'ai les fenêtres dessus. Elles subissent exactement, puisqu'elles sont liées hiérarchiquement, les mêmes transformations que l'immeuble. Par contre, si je mettais une torsion là-dessus, il faudrait que je le mette à la fois sur les fenêtres et sur l'immeuble. Parce qu'une torsion, ce n'est pas une transformation. Donc, la torsion ne serait valable que pour l'immeuble, mais pas les fenêtres. Donc, il faudrait que je sélectionne tout ça et que je mette la torsion sur tout l'ensemble. D'accord ? Alors que la transformation, un simple lien hiérarchique suffit. Et là, ça fonctionne. Alors, je vais juste sauvegarder ça, vous montrer le fichier que j'ai peaufiné un peu, parce qu'il faut passer un peu de temps quand même pour régler les clés. Donc ici, je vais reprendre celui-ci. Non, ce n'est pas celui-là, pardon. C'est celui-ci. Voilà sur l'animation de l'immeuble. Donc ici, on a bien une rotation avec une torsion et l'immeuble qui vient se poser. D'accord ? Là, ça passe bien, vous voyez, parce que j'ai bien réglé les clés proprement. Si je prends ça, éditeur de courbe, on voit bien, regardez, on voit bien les oscillations ici qui fonctionnent bien. Tac, je vais me caler. Regardez si je zoome là-dessus. Vous voyez, on a bien cet effet d'oscillation. D'accord ? Et on l'a surtout, en fait, hein. Donc, il faut passer un peu de temps. Donc, vous pouvez le faire un peu à la main. Mais après, je vous conseille quand même fortement de passer par l'éditeur de courbe. Sinon, ça ne marchera pas. Votre animation ne marchera pas. Parce que c'est difficile d'appréhender ce genre de mouvement. Ici, typiquement, vous voyez, on a bien les effets d'accélération, décélération. Ici, on a bien une chute avec aucun effet, aucun amorti sur cette partie-là. On n'a pas d'amorti, on tombe sur le sol directement. Et ça fonctionne bien. Je vous montre le résultat ici. Je vais mettre un peu comme ça. Alors, vous voyez que le truc de torsion, je l'ai bien mis sur la totalité de l'objet. Donc, ça donne ça ici, en temps réel. Donc, ça, c'est autre chose, hein. Donc, j'ai rajouté, vous voyez, pour cet effet cartoon, toujours, regardez, j'ai fait pousser l'escalier. J'ai fait pousser l'escalier avec une échelle contrainte sur un axe. Et quand l'escalier a fini de pousser, j'ai rajouté une petite courbure avec une oscillation à l'immeuble pour que ça donne l'impression de l'inertie du poids de l'escalier quand il pousse sur l'immeuble, en fait. D'accord ? Donc, ça rajoute cet effet de déformation ici quand l'escalier pousse sur le côté. D'accord ? C'est tout simplement l'animation d'un modificateur courbure qui est ici. On verra plus tard, mais ça peut fonctionner aussi. Alors, je vais juste ouvrir. Il y a un outil qui est très simple. Je vais vous montrer, vous allez gueuler. Pourquoi il ne nous a pas montré ça avant ? Parce qu'il faut se faire chier dans la vie. Je pense que c'est comme ça. Alt-W. Regardez, je vais faire une boîte ici. Cette boîte, je vais la segmenter en hauteur. C'est bien, voilà. Je vais la segmenter en hauteur, d'accord ? Je vais la segmenter en largeur, comme mon immeuble, en fait, hein. Et je vais convertir ça en polygone éditable. Non, je ne vais pas la convertir en polygone éditable. Je vais rajouter un modificateur qui s'appelle sélection poly. Alors, contrairement à éditer poly, pas ce que je voulais mettre, évidemment. C'est sélection, donc c'est dans les S. Sélection poly. Elle est là, il est là. Sélection poly. Donc, on retrouve les mêmes sous-objets, sauf que là, on ne peut que sélectionner, mais pas modifier. Je peux pas modifier, je peux faire que des sélections. Et regardez, je vais sélectionner toute la partie supérieure en mode sommet. Je vais venir sélectionner en mode sommet ou pas, hein, en mode polygone, je peux le faire aussi, hein. Je sélectionne tous les polygones supérieurs et je vais activer la sélection adoucie. Et je vais utiliser comme ça ma sélection adoucie. Regardez, je vais
augmenter l'atténuation, on voit bien qu'il y a un dégradé de couleur qui s'effectue pour descendre jusque presque à la base de l'objet. Ça veut dire que je vais avoir un fondu de sélection. Mes polygones sont sélectionnés à 100% ici et vont diminuer en pourcentage au fur et à mesure qu'ils vont s'éloigner de ma sélection. Si j'applique un effet là-dessus, ben l'effet va s'appliquer à 100% sur la sélection rouge et va s'atténuer au fur et à mesure qu'il va quitter, s'éloigner de cette sélection. C'est ce qu'on appelle une sélection adoucie, un dégradé si vous voulez. Et regardez, je vais laisser ça sélectionner et je vais rajouter un modificateur qui s'appelle élastique. OK ? Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire exactement la même animation qu'on a fait pour l'immeuble. Ici, poignée, je vais créer une... Je vais créer une clé manuelle, ici, à partir d'image 25, en X, Y, Z, rotation, machin, etc. Je vais, sur l'image, je vais faire élever le truc dans le ciel, donc sur l'image 50, par exemple. Alors, tac. Je pense qu'il faut que je remette un édité poly. Alors, attendez, je recommence un truc. Voilà. Donc, je vais le faire élever dans le ciel ici sur l'image 50. Clé auto. Est-ce que vous voyez que l'objet bouge? Regardez, je vais le mettre en lecture. Bon, je vais rapprocher mes clés pour que ce soit plus flagrant. C'est plus flagrant là, non? Vous voyez qu'on a cet effet d'élasticité tout seul. Et si jamais je fais tomber l'objet sur le sol, bon, je vais juste dupliquer la clé où il est pour laisser un petit espace de pause et reprendre la clé où il était initialement pour vous montrer ce que ça donne. Ça donnerait ça. Voilà, on a cet effet d'élasticité. Pareil, si je lui mettais une rotation, regardez, si je lui mets ici une rotation pendant qu'il tourne, de 360 degrés, alors, CTRL-Z, c'est mieux si je mettais la clé, parce que j'oublie à chaque fois. Donc, clé automatique, 360 degrés, OK, regardez, voilà. Bon, je vais séparer bien les espaces pour pas que ce soit trop violent. Donc, je remonte, ça donnerait ça. Je l'ai fait tourner dans les deux sens pour vous voyez qu'on a cet effet d'élasticité en fait. On est capable, je suis capable de rajouter cet effet d'élasticité sur un objet avec une sélection. Je vous montre sur l'immeuble ce que ça donnerait ici. Je sélectionne mon immeuble. Alors, je vais rajouter déjà une sélection poly. On voit ma sélection poly. Avec l'atténuation, on le voit bien ici sur les sommets. Je rajoute mon élasticité sur la partie supérieure et je regarde ce que ça donne. En plus de l'animation que j'ai rajoutée. Hein. Alors, c'est assez lourd sur les objets assez complexes. On voit bien la déformation, vous voyez. Ça, c'est dû à l'élasticité, en fait. Regardez, ça donnerait ça. Je rajoute un petit effet élasticité. Bon, c'est à peine perceptible, mais on le voit bien sur la déformation de l'objet ici, vous voyez. Il prend une espèce de forme de vase, en fait. C'est l'élasticité qui fait ça. Et pareil sur la rotation, on a bien cet effet élastique qui vient accentuer sur la partie supérieure de l'objet.
Là, j'ai mon truc qui rame un peu. Je vais peut-être le mettre comme ça. Vous voyez ou pas la différence avec élasticité? Donc, c'est un simple effet qui va rajouter de l'élasticité. Mais c'est assez lourd. Si vous n'avez pas un ordinateur performant, c'est assez lourd à calculer. Hein. Quand il y a des objets complexes, c'est un peu lourd à calculer. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la partie la plus ardue, hein, la partie animation. Hein. Mais bon, décomposez bien vos clés et ça devrait fonctionner. Ok, ok. Pas de questions? Non, c'est bon, ça va. Ok. Il y a Solène en salle d'attente. Solène, alors, où est-ce que ici participant, salle d'attente. Ok. Merci. Alors, ici, je vais rouvrir lui. Alors, si je pars sur lui, ce que je vous disais, il y a des éléments petit à petit qu'on va pouvoir agrémenter comme ceci. Si par exemple, je pars sur mes climatiseurs, alors c'était l'autre, ça doit être celui-là. D'accord. Mes climatiseurs, en fait, ce que je ferais, là, ce qui serait bien, c'est que je peux faire exactement la même chose sur un climatiseur, comme j'ai fait pour l'escalier. Pour l'escalier dans l'autre, vous avez vu qu'à un moment donné, voilà, j'ai fait ça. Regarde, ben, je vais le faire sur l'escalier, en fait. Hein. Donc ici, voilà. Voilà comment je m'y prendrai pour l'escalier. Je prends ici l'escalier et je vois que son point de pivot, il est placé à cet endroit-là. D'accord. En fait, l'animation va toujours se faire par rapport au point de pivot. Si je prends l'outil échelle, vous voyez que l'animation se fait par rapport au point de pivot. Je vais décaler mon point de pivot. Voilà, vous voyez, le point de pivot est ici. Je vais éditer le point de pivot, affecter le point de pivot. Je vais le décaler. Je vais l'amener ici, par exemple, à la hauteur de ce truc-là. Ben maintenant, ça veut dire que mon échelle va se faire par rapport à ce point de pivot. Donc, je peux faire pousser peut-être à partir de là. D'accord? Je peux faire pousser mon escalier à partir de là. Donc, je ferai exactement la même chose. Là, typiquement, ce que je vais faire, c'est animer avec une oscillation l'échelle de mon escalier. Donc, ici, ce que je vais faire, je me mets à l'image 25, je crée une clé fixe, une clé statique, enfin une clé manuelle. Je déplace ma tête de lecture à l'image, on va dire 35, clé auto. Alors, je dis une bêtise, puisqu'en fait, je veux qu'il pousse. Mais ce n'est pas grave, je peux faire l'inverse. Regardez, l'image 35, je fais l'inverse. Je mets mon escalier à 0 en X. Regardez, je vais sur la valeur X, je le mets à 0 en X. Donc, il s'écrase complètement à 0 en X. Et là, j'ai l'inverse qui se passe. Autant pour moi, CTRL-Z, je me suis trompé d'échelle. Hein. Voilà. J'ai pris une échelle uniforme. C'est pour ça que échelle uniforme, comme son nom l'indique, ça l'applique à tous les axes. Donc, il ne faut pas que je me trompe, faut que je prenne l'échelle déformation, en fait, l'échelle qui permet d'écraser. Et là, je dis clé auto, image 35, c'est bien en X que je veux que tu te déformes, donc je mets la valeur X à 0. Et là, on a bien. Alors là, il est sorti, il se rétracte. Mais si j'inverse les clés, c'est l'inverse qui se passe. Donc c'est parfait. J'ai travaillé à l'envers, j'inverse mes clés, c'est bon. Donc ici, je prends mes clés, je les redécale pour que ça démarre à 25. Donc ici, j'ai
l'objet qui pousse. D'accord ? Mais moi, je veux qu'il aille un peu plus loin. Donc ici, on a dit qu'en X, je voulais qu'il aille un peu plus loin. D'accord ? Regardez, je le pousse un petit peu plus loin. Alors là, c'est bien, je ne travaille que sur un axe. Je le pousse à, on va le mettre à 110%. Je vais trois clés plus loin et je le remets à 95%. Je le mets deux clés plus loin et je le mets à, j'ai fait 110, 95, je vais le mettre à 102. Et je le mets une clé plus loin et je le mets à 100. D'accord ? Donc, ça donnait ceci. Vous voyez, j'ai cette petite oscillation. Alors, qu'il faudrait que je règle toujours pareil avec mon éditeur de courbe. Ça serait plus joli. Éditeur de courbe. Ici, elle est là, mon oscillation. Je zoome là-dessus. Elle est là. Donc, je vais peut-être dézoomer un petit peu, peut-être plus le vertical comme ça. Voilà. OK. L'oscillation est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être ici, le mettre un peu plus loin. Ici, un peu plus. Ici, un peu moins. Pour obtenir ceci. Donc, ici, j'ai trois clés d'écart, deux et une. Ça va être mieux. Voilà. Là, j'ai un ressort qui se fait. D'accord ? Une fois que ça s'est animé, j'affiche tout et je me dis, OK. Là, j'ai fini mon animation totale, hein, on est d'accord ? Je vais lier hiérarchiquement mon objet. Je vais dire, toi, tu te lies hiérarchiquement à lui. Donc, on va voir ceci, lui qui se déforme avec, etc. Sauf que je veux que l'escalier pousse une fois que l'immeuble s'est posé. D'accord ? Je veux que l'escalier pousse une fois que l'immeuble est posé. Donc, j'attends que l'immeuble se pose, finisse ses rebonds. L'escalier étant sélectionné, je prends mes clés d'animation et je les décale pour l'amener à la tête de lecture. Donc, c'est bien à partir d'ici que l'escalier va pousser. D'accord ? Je réduis juste un peu l'écart entre mes clés parce que c'est un peu long, je fais quelque chose de plus dynamique. OK. Alors, il faudrait bien évidemment, j'ai la possibilité de vraiment faire rentrer l'escalier à l'intérieur de la maison et qu'il se déplace en même temps pour pas qu'on le voit. Hein. Ça, je peux le caler aussi par animation. Mais vous voyez, typiquement, j'ai calé à cet endroit-là pour que l'escalier pousse à ce moment-là. Et si je veux que mon escalier donne un choc de courbure, vous savez qu'avec l'inertie, quand l'escalier pousse, bon, je vais masquer ça quand même. C'était là-dedans. C'était la clim, donc je la masque. Okay. Donc, quand l'immeuble tombe et que l'escalier pousse, donc je vais rajouter un modificateur courbure, y compris à mes fenêtres, puisque je suis obligé de les inclure dedans pour qu'elles se courbent avec, puisque ce n'est pas une transformation, mais bien une déformation. Donc, je prends mes fenêtres ici, plus l'immeuble. D'accord ? Donc, j'ai pris tout l'immeuble, en fait, avec les fenêtres. J'avais déjà fait un groupe exprès pour. Je lui rajoute le modificateur. Alors, je cache ça. Sortis-toi. L'escalier de secours, je laisse. Voilà. Donc, je prends mon immeuble dans sa globalité, avec les fenêtres et tout. Je lui rajoute un modificateur courbure. Pardon, c'est là, courbure. Donc, il est dans l'essai, courbure. Donc, on voit le gizmo orange qui se met autour de mon objet. Alors, regardez, je peux bien courber l'immeuble, sauf qu'on voit que la courbure s'effectue par rapport au centre de ma sélection. Donc, ce n'est pas gênant. J'édite mon modificateur courbure en allant sur le centre de courbure. Et ce centre de courbure, je le descends. En fait, le plus simple, c'est que je le mette à zéro. Ici, verticalement, je vais le mettre bien ici à zéro.
OK. Pourquoi je le mets là? Ben, tout simplement, comme ça, la courbure pourra s'effectuer par rapport à la base. Par rapport à la base. D'accord? Et là, vous voyez qu'on a un problème, en fait. On a un problème parce que l'escalier ne subit pas la courbure. L'escalier subit tout ça, la déformation, l'échelle, etc. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a courbure, il ne la subit pas. Tout simplement parce qu'il faut qu'il soit inclus dans ce gizmo de courbure. D'accord ? Donc, je vous remontre. Ici, si je prends courbure, je fais couper le modificateur. Je reprends bien mon immeuble et ses fenêtres, y compris l'escalier de toit. Je recolle là-dessus. Alors, je ne peux pas le coller, je suis obligé de le refaire. Je vais recoller, je vais remettre un courbure là-dessus. Courbure. Je suis obligé d'intégrer l'escalier pour pouvoir le tordre aussi, pour pouvoir le courber. D'accord ? Donc, je refais la même manip que tout à l'heure. Bon, je crois que je peux faire un coller maintenant. Coller, je vire celui-là. En fait, j'ai pu recoller l'ancien. Ah, ça ne marche pas. Bon, je suis obligé de mettre un courbure. Il est où courbure? Là, j'édite une courbure, je descends le centre au niveau du sol. Ici. Je vérifie que je peux courber mon objet. Donc, ça donne ceci. L'escalier va pousser. Et après, une fois que l'escalier est poussé, il me suffira d'animer mon gizmo pour courbure pour qu'on ait cet petit effet d'oscillation avec les mêmes principes d'animation qu'on a vu jusqu'à présent. Un petit effet d'oscillation pour que le bâtiment donne l'impression qu'il subit le fait que l'escalier pousse, d'accord, ou grandisse, d'accord, apparaisse. Okay. Donc, vous voyez qu'on anime sur plusieurs couches, sur différents niveaux, etc., et qu'on superpose les modificateurs pour pouvoir animer tout ça. Le plus important étant quand même l'animation sur les transformations. Voilà, et pour les déformations, vous avez compris que si je ne déformais pas l'ensemble, la totalité des objets, ça ne pouvait pas marcher, en fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de question spécialement. Monsieur ? Oui ? Moi, je n'ai pas une question, mais je voudrais vous prévenir. J'ai un entretien pour un stage à 17h. Du coup, je devrais quitter 10 minutes avant. Oui, mais je vais vous lâcher à 16h30 parce que pareil, moi, j'ai des rendez-vous, je n'ai pas pu décaler. Je vais vous rendre à 16h30. C'est bon pour vous ? Oui. Oh okay. Non ! Oh. Ah ouais, je me doute que tu es déçu. Bah, un peu. Pas grave, j'irai pleurer. T'as la Covid, de toute façon, c'est pas grave. Oui. C'est vrai, t'as chopé la Covid ? Oui. D'accord. Comment tu te sens ? Bah ça va, là, je suis à la fin quand même. D'accord. T'as ramassé un peu ou pas ? Non. Enfin, courbature, etc. Oui. Et j'ai plus eu une grosse angine que vraiment une grippe ou un truc comme ça. Si c'est l'Omicron ou le Delta ? Je pense que c'est Omicron. J'ai fait que des antigéniques, donc je ne sais pas, mais... D'accord, ouais, tant que tu ne fais pas un test sanguin, tu ne peux pas savoir. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Ok, mais tu es en isolement même chez toi, alors, du coup ? Oui, oui. Bah, en fait, je l'ai chopé en même temps que ma mère, donc du coup, là, on est à deux, c'est sympa. C'est cool. La cohabitation se passe bien. Et ta maman, ça va ? Elle n'est pas trop grave, pas trop dure Non, ça va ? Non, à peu près comme moi. Okay. Bah, juste, elle est bloquée du dos parce que bah, le... Parce que les courbatures, mais du coup, moi, je me moque un peu d'elle et c'est rigolo. Ah, sympa, ok. Je suis un fils sympa quand même, je sais. Ouais, je me doute. Ouais, ben bon, il faut toujours protéger, c'est ça qui est compliqué avec cette pandémie. Ça se répand très vite et il y a des gens qui peuvent faire des formes graves. C'est rare, très rare, mais ça peut arriver, quoi, dans le doute. Ok, mais bon courage. Moi, j'ai fait le tour un peu de tout ça. La prochaine fois, il nous reste deux cours encore. On verra les éclairages, les rendus. Donc, ce que je vous demande, c'est quand même de tenter d'animer, de continuer à vos projets et d'essayer de les animer, enfin, d'aller jusque-là où on est arrivé au niveau des cours, parce qu'après, j'attends un rendu avant que vous partiez en stage. C'est ce que nous avions convenu, hein, je crois. Donc, c'est début mars, mi-mars, vous partez en stage
On part début mars et le rendu, ouais, je crois qu'on avait dit début mars aussi. Ok. Vous n'avez pas dit mi-mars ? Ou mi-mars, je ne sais plus. Avant que vous partiez en stage, donc si vous partez en stage mi-mars, c'est mi-mars, et si vous partez en stage début mars, c'est début mars. Bah, après, ça, je crois qu'il y a des gens plus tard que d'autres, donc c'est pour ça. Hein. Ouais, bah, après, je ne peux pas faire du cas par cas, hein. On fait sur la promo complète, sinon je vais avoir les rendus qui vont être étalés sur un mois, ça va être compliqué. Hein. Bon, et après, on n'est pas en février encore, ça va, ça vous laisse un mois, ou bosser un petit peu. Mais, si vous mi-mars, c'est peut-être le plus simple, comme ça englobe tout le monde, je ne sais pas. Ben, mi-mars, ça me va, mi-mars. Okay. Ouais, mi-mars, ce serait bien, ouais. Eh ben, mi-mars, on fait comme ça. 15 mars, super. C'est bon ? Ouais. Sachant que 15 mars, deadline. Je ne bossais plus après. Il faudrait que je reste avec ceux qui... Je ne sais plus comment qui m'avait envoyé la fourmi. Là. Il faudrait que je reste à discuter 2 secondes avec toi, après le cours. C'est possible ou pas ? Oui, c'est moi. C'est Emeline. Monsieur ? Oui. L'équipe du sabordage, on avait aussi une question à propos de la tablette, si jamais... On finit le cours. Je finis le cours là. Je vais libérer tout le monde. Avant, je refais un petit appel pour être sûr qu'il y ait bien tout le monde. Et je reste avec les 2 groupes et Emeline. Et moi. Ça te va, Emeline ? C'est bon ? Oui, ça me va. Il faut juste que je parte avant 16h50. Oui, bah, je te prends en premier avant les groupes alors. OK ? Merci. Merci. Il y en a pour 2 secondes. S'il n'y a pas de questions, je refais vite l'appel et vous me répondez oui vite fait parce que j'ai l'habitude. Et là, vous prévenez vos potes qui sont partis, vous dites ah, reviens vite, il va faire l'appel. Alors, comme ça que ça marche. Oh bah, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, comme c'est bizarre. Je plaisante. Et bien vu. Et je ne le fais pas rentrer en fait. Du coup, attends. Je ne le vois pas dans la salle d'attente. Non, non, c'était une blague. Ah bon, putain, bien vu. Ça aurait pu être possible. OK. Ben Céline, on reste en ligne de toute façon, hein. C'est bon ? Oui. OK. Alors, tac, Université de Toulon, vite fait, absence. Ceci des absences, donc je refais le point vite fait. Donc Stéphanie, elle est là. Stéphanie ? Ouais, typiquement, on a un bel exemple. Stéphanie, tu m'entends ? Et pourtant, elle est dans le Zoom, je crois. Oui, elle y est, mais elle n'est peut-être pas derrière son écran. D'où l'intérêt de faire un... D'accord. Rémi ? Oui. Ok, parfait. Claire ? Présente. Parfait. Jade ? Oui. Allez, ça marche. Marion ? Oui. Valentin ? Oui. Lise. Oui. Activez vos webcams, tiens, qu'on rigole 5 minutes. Sophia. Sophia. Oui, mais par contre, j'utilise mon téléphone et ma caméra frontale, elle est cassée. Ça marche, ouais. Ça n'est pas tout. Désolée. Oui. Parfait. Et que je vois un peu parce que je m'adresse à des noms ou à des photos bizarres des fois. Alors, Davy, c'est bon. Ligne. Il est là. Ça fait plaisir de vous voir. Edwin, il est là ? Étonnant, hein, Edwin, il s'est barré aussi. Ali ? Il y a Antonin qui a vraiment la Covid, hein, c'est un truc de malade. Anthony, il est là ? J'étais Edwin. Ali, pardon. Je vais juste noter comme ça ceux qui ne sont pas là. Donc, il y avait qui ? Il y avait... Si Stéphanie, à quel? Juste pour que je me rappelle. Kelly. Oui. Parfait. Céline, elle est là. Axel. Présent. Marche. Et Yasmine. Yasmine. Oui, présente, monsieur. Sauf que je. Pour la caméra, je cherche à non, activer sur l'ordinateur. Pas de souci, mais tu me fais peur. Antonin. Oui. Antonin, il est là. Il a pété un câble. Emma. Oui, toujours là. Parfait. Betty ? Oui, toujours là. Roxane ? Oui. Allez, parfait. Tu dois être sous un tunnel, je pense. Brian ? Brian ? Il est où, Brian ? Il n'est pas là ?
Hop. Tatiana. Oui. Solène. Oui. Ok, parfait. Myriam. Présente. Nathan. Toujours là. Parfait. Emeline. Oui. Emeline, elle est là. Parce que tu vois. Alexandre. Alexandre. Oui, je suis toujours là. Je vous faisais coucou avec ma main. Mais... Ah, je ne voyais pas. Excuse-moi. Excuse-moi, je ne regardais pas. Maxime. Présent. Ah. Lucas. Oui, présent. Jessica. Jessica. Oui, je suis là. Mais super. Et Marion. Oui. Bon, on n'a que quatre qui sont sous un tunnel alors. Ça marche. Bon, la prochaine fois, on fera les rendus, l'éclairage et les rendus. Les rendus, ça sera un peu long. Je vais vous montrer une technique. Vous risquez que votre machine tourne un peu la nuit et quelques heures, voire quelques jours. Moi, ça fait partie du truc. Et après, le dernier cours, on fera du After Effects. OK? C'est bon pour vous? OK. Oui. Oui. Ça marche. Bon, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous et on se voit vendredi prochain. Et je reste en ligne avec les deux groupes et Emeline. OK, OK. Allez, bon week-end à toutes et tous. Bon week-end. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Emeline. Oui, c'est moi. C'est la fourmi. Oui, la fourmi. Mais je ne peux pas changer grand-chose, Emeline, pour la fourmi, puisqu'il n'y a pas de setup et ne serait-ce que des liens. Je ne peux pas compter des liens. Un lien, c'est juste glisser-déposer. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus pour ça. Oui, c'est vrai. Bon, ben, c'est tu vois, vous avez toujours l'écran partagé? Oui, bah oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est ça, je prends le lien hiérarchique, je clique et je dépose sur l'autre. Donc, je ne peux pas noter. Oui, il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien de spécial, c'est un clic. Je ne peux pas noter un clic. Oui, c'est vrai. En fait, je m'étais dit que si je refaisais tout le setup entier, ça allait me prendre trop de temps et il allait trop tard, je ne sais pas, je m'étais dit. Ça va être compliqué. Après, je comprends. C'est dommage parce qu'elle avait du potentiel, ta fourmi, là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est des choix. Hein. Tu peux t'axer sur d'autres projets, ce que je peux comprendre. Mais c'est des choix qu'on assume, enfin, qu'il faut. C'est con. Parce que. Je me dis de mettre à fond sur l'immeuble, là, du coup, j'ai déjà bien commencé. Voilà. Après, c'est dans la même matière. Tu peux compenser avec l'autre note. Hein. Oui, voilà. OK. Oui. Ben, merci quand même, en tout cas. Mais je t'en prie. Bon week-end. À bientôt. Merci à vous aussi. Alors, on commence par qui? Est-ce que vous voulez les groupes séparés ou est-ce que ça vous dérange les deux ensemble? Non, il n'y a pas de compétition entre vous de toute façon. Nous, pour notre groupe, c'est juste une petite question très rapide. Si vous pouvez mettre les cams, ça serait cool. Je vois qui. Donc, à quel... Juste, monsieur, je pense que vous pouvez arrêter l'enregistrement. Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Je viens de lui penser. Merci. T'es mon cerveau aujourd'hui. Ça marche, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais voir où se met la vidéo. J'espère la retrouver. Alors, c'était le groupe Rivoli ou la petite question? C'est qui? Sabordage. Vous êtes les développeuses ou non? Non, peut-être pas. Oui. Oui, c'est ça. En fait, on voulait juste vous demander, vous nous aviez dit de demander pour la tablette tactile à Ludovic Picard. Oui. Mais en fait, on n'arrive pas à trouver de contact, style un mail ou quelque chose pour. Non, mais il faut aller au labo directement. Mais on l'a pas. En fait, on y est allé plusieurs fois d'affilée et pour l'instant, on n'a croisé que des doctorants qui étaient incapables de nous donner de contact ou quoi que ce soit. C'est quand même des chercheurs, les gens, sans déconner. Michel Durempart, c'est Willy Barrois qui va vous donner les infos là-dessus. Willy Barrois. Et vous ne nous aviez pas donné aussi Ludovic Picard? Ouais, mais on va passer par Willy Barrois. Je ne sais pas ce qu'il fait Picard, il devrait connaître. Mais... Okay. Alors, je vous donne les deux mails. Je vous donne les deux mails. J'ai arrêté le partage d'écran? Oui. Je crois que je n'ai pas arrêté l'enregistrement.